in a world where entertainment was dead one radio one podcast maintained entertainment and that name was mangavore Bienvenue dans l'épisode 7 de la saison 5 du podcast Mangavor. Bonjour à toute l'équipe. Oh, Bonjour. Bonjour général. Bonjour. Voilà, C'est super. Aujourd'hui, nous n'avons pas un mais deux invités. Bonjour Sébastien de Kazé. Bonjour. Rebonjour <laughs> Pascal de Canaum Vidéo. Rebonjour. Voilà. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de ADN Animé Digital Network. Voilà. On va même parler un peu Disneyo, euh, puisque la news vient de tomber. Nous sommes le 23 novembre, vous écouterez cette émission le 5 décembre. On va commencer avec un petit tour de table. Euh, bonjour Faye Salut, ça va Ça va bien Ça va, ça va. Alors, il y a des trucs sympas en musique euh, pour ce mois-ci Non, on va faire un petit bilan musical, je pense. D'accord, ok. Mais du coup, un bilan musical qui sera pas sympa apparemment. Mais si, très sympa. Ah mais bon, un bon bah, bilan, voilà. Une chronique bilan de l'année. Une chronique fait. bilan, ouais. bah, c'est parfait fou la forme. La forme, pas de chronique bilan de l'année au niveau des chroniques. De Mais une chronique non. quand même. Mais les chroniques sans bon. doute. <laughs> C'est pas mal. Alors, les invités, on a déjà dit bonjour. Alors aujourd'hui, nous avons Alessio. Ça va Bonjour, ça va très bien. Voilà, donc Alessio, qui est un chroniqueur qui nous fait. Quelques dernièrement, tu nous as fait Sailor Moon et DBZ Kai. C'est ça, ouais, exactement. Voilà, absolument. Ils sont sortis en DVD. Voilà, on aura Scep22 qui nous rejoindra voilà pour répondre à la question il viendra il viendra ah, Scep22 oh nous rejoindra dans la deuxième SM22. émission exactement et bonjour à Muriel bonjour ça va bien bien et toi voilà merci de t'occuper de la technique c'est cool et plaisir. Euh, je pense que le mois prochain on mettra en place un, un chat euh, voilà ouais. pour que les gens puissent réagir en direct donc cool. euh, voilà, on y va sur l'émission 7. Alors ça va être comme d'habitude des news, de la musique, une présentation d'un de, des deux invités, puisque l'autre, vous le connaissez déjà. Si vous ne le connaissez pas, vous n'aurez qu'à écouter l'excellent podcast de la saison dernière où nous l'avons reçu. Voilà euh, on n'aura pas vu sur le net puisque Jérôme euh, n'est pas là aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, l'absence ô oh, combien regrettée de Hal. C'est ah, voilà, dommage. <laughs> c'est dommage, voilà, des speed chroniques et on s'arrêtera là-dessus. Et je vais enchaîner tout de suite avec les news. Alors c'est un peu bizarre parce que je m'étais dit je vais pas en faire trop parce que Hal a tendance à s'étaler sur ses news. Et du coup, euh, voilà, bref. Breaking news live from Mangavore Donc, je commence avec une nouvelle licence chez euh, Ototo Manga, qui a récupéré euh, la licence Fate euh, dont on connaît déjà Fate Stay Night, qui est sorti chez Pika. Eux, ils ont Fate Zero, adaptation du light novel euh, du même titre écrit par Gen orobuchi euh, donc qui sort euh, au Japon chez Type-Moon, et dont l'anime est, euh, est comment est diffusé sur Anime News Network, euh, a priori. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, le manga est censément une version plus sombre et plus proche du roman, mais de la même histoire. Donc, euh, mm. des, des nanas qui se battent en armure avec des épées, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près ça, hein, Fight. C'est un peu plus compliqué que ça, mais oui, dans les grandes lignes, effectivement. Ouais. C'est inspiré de la légende arthurienne, c'est ça, non C'est ça, du Graal. Ouais. Mm. Du Graal. Mm. Bon, plutôt sympa. Euh, Albator. Alors, Albator, qu'est-ce qu'il y a en ce moment à dire Al sur Albator Il y a un film, film Albator. 25 décembre. le 25 décembre, merci, ça va. Quand même, finalement, des, des gens Absolute. écoutent. Bon. Alors, Kana aussi a une activité sur Albator Oui, il y a l'intégrale. Donc les cinq volumes qui étaient sortis en jump en format Bunko sortent en format intégral, plus de 1000 pages. Ouais. Une très belle édition, je vous invite si vous ne l'avez pas à la récupérer, rien que pour avoir l'histoire avant d'aller voir le film. Exactement, donc c'est le manga qui était publié comme il a fait plusieurs versions d'Albator, Leiji Matsumoto. C'est l'édition publiée entre 77 et 79 mm. chez Akita Shoten. Euh, ça sort dans la collection Sensei, ce qui est oui. plutôt bien, je trouve. C'est il est plus adapté, je trouve, à la collection Sensei ouais, qui est une collection patrimoniale. Par oui, c'est un Shonen. titre un peu. On peut dire que c'est un titre vintage, mais c'est un titre. Euh, euh, de par son format en intégral, on ne pouvait pas le mettre dans un jump classique. Donc ça. Euh... Non, mais moi je trouve qu'il est très très bien dans cette collection à côté de la Rose de Versailles ou de Camunden. C'est très très bien. Tout à fait. Euh, rappelons donc que le film, comme vous le disiez, sortait le 25 décembre, mais que on a appris que la version originale sera bel et bien la version japonaise et pas la version anglaise. Donc c'est plutôt cool. Cool. Sinon, on a deux nouveaux films de Ghibli qui arrivent. Alors est-ce que quelqu'un à table un peu a entendu parler des titres non, absolument, non, rien. absolument pas. Bon. Non. Alors, nous avons le nouveau Miyazaki qui sort prochainement. Donc là, vous avez le titre quand même On le en vent, a parlé dans les deux le derniers vent. podcasts. il y a le vent. Voilà. Je crois même que j'en parlais <laughs> du ça. Vent. Le vent se lève qui vient d'être nommé pour l'Oscar <laughs> du meilleur film d'animation 2014. Et l'autre, c'est le nouveau film de Isao Takahata. Donc, non, rien, absolument oh, mais rien. Rien. Oh, c'est triste ça, c'est triste. Mais, rien du, triste. Mais rien, rien du tout, je sais pas, le tombeau d'Elucidole 2 <laughs> Le retour, le retour. Ils reviennent <laughs> voilà. Et ils sont pas contents. Et ben c'est presque ça. C'est la légende de la princesse Kaguya. Voilà, donc inspirée, qu'on a peu, qu connaît aussi sous le nom du euh, du coupeur de bambou. Quoi, la légende du coupeur de bambou. c'est Un gars qui coupe un bambou, il trouve un, une gamine dedans, euh, de la taille, enfin très petite. Et en fait, euh, je sais plus genre tout ce qu'elle touche se transforme en or ou un truc comme ça. Donc du coup, il, voilà. Et puis après, elle retourne sur la lune puisque c'est de là d'où elle vient. Et c'est une légende très connue du patrimoine japonais, euh, qui a été adaptée de nombreuses fois en manga, dont entre autres un manga de. Euh, comment il s'appelle Un auteur shojo, qui a été publié chez Panini, euh, et qui est absolument euh, pas sous-estimé en France. C'est un trou de mémoire, c'est horrible. Et là, Al me manque pour le coup, <laughs> puisque lui, il saurait, <laughs> puisque c'est son auteur shojo préféré. Donc ça sera dans les bonus. Euh, ça sera oui, dans du les poste. bonus. D'accord. Je continue. C'est dur, vraiment, les news euh, sans, sans, sans Al, un sidekick. Ben oui. Voilà. Alors, avec l'histoire d'Animeland, qui est donc euh, un bouquin qui sort aux éditions Omake, connues principalement pour leurs ouvrages sur l'histoire du jeu vidéo, avec entre autres euh, l'histoire de Nintendo ou même No Life Story. Là, ils sortent donc un livre qui revient sur l'histoire de la revue Animeland. Il est coécrit par Yvan West Lawrence, euh, qui est euh, cofondateur d'Animeland, et Gerson Bolut. Donc le livre s'appelle Big Bang Anime. Donc ça revient, je vous dis, sur la création du premier magazine de l'animation et du manga en France. Et les l'essor les pardon des deux domaines dans, bah, dans notre beau pays somme toutes. Donc 292 pages au prix de 20 euros pour ceux que ça intéresse. Un ah bon livre d'ailleurs. Ah bon je ne l'ai pas encore euh, lu. Donc ça, est-ce que ça parmi se fait que vous, tu l'as déjà <laughs> Elle connaît du monde. Je connais des gens. Elle est introduite dans le milieu. <laughs> voilà. C'est ça. <laughs> Alors Genre ça aussi on le mettra en bonus. Alors non non ça c'est assez classique dans le podcast. Alors est-ce que des gens ici connaissent le visiteur du futur oui. oui. Bon ça va quand même. Alors je ne sais pas du coup si vous avez remarqué mais il y a une actualité sur le visiteur du futur. Non. Ah bon. ah bah bon déjà, il y, y a le trailer de la série Neo public. Versailles qui va débarquer je dans la longtemps. C'est moi qui ferai le public. <laughs> je vois ça, je vois ça. Mais surtout, pour moi, je m'en occupe, le... c'est ma tâche. Non, mais surtout là où les autres web-séries se lancent sur des films, kinoob hein, ou Hard Corner, ou dans une série animée en 3D pour euh, Buck, là, pour l'instant, le visiteur du futur revient avec quelque chose dont les plus gros fans avaient suivi l'actualité à Japan Expo, à savoir un jeu de plateau était en bêta test à Japan Expo. Et bien là, il sort euh, courant décembre. C'est un jeu qui est prévu de 2 à 4 joueurs. donc Il s'appelle Le Visiteur du Futur, La Relève. Et c'est assez sympa puisque tu vas, tu vas jouer un membre de la brigade du, du Visiteur du Futur. Tu vas récupérer des cartes événements. Et en fait, à la fin, pour gagner, une fois que tu as, as passé toutes les étapes, il faut que tu improvises une histoire en mode Le Visiteur du Futur. Si jamais tu ne fais pas telle, telle chose, voilà ce qui va se passer. Il va, va t'arriver tel truc, et puis bidule, machin, etc. Oui, ça va être sympa. Donc c'est plutôt sympa sur le concept. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site de Hitter en Kama puisqu'ils ne vendent qu'en direct. Voilà, voilà. Pour la modique de. Alors, on n'a pas le prix euh, Si, 34,90€. Ah, voilà, euh, voilà. voilà, sorti le 5 décembre. Dedans, tu as quatre plateaux de jeu, 2D, 30 batteries et 198 cartes à jouer. Ah Tu l'as trouvé comment ce jeu, Chacha <laughs> je, les euh, je ne l'ai pas. <laughs> Elle n'est pas introduite partout non plus. <laughs> je ne suis pas introduite partout. Voilà. voilà. Tout à fait, C'est pas possible. Alors, deux nouveautés Kana pour le coup, à savoir Witchcraft Works de Ryu Mizunagi et Bullet Armor de Moritia. Est-ce que tu veux nous en parler ou est-ce que je continue Alors tu peux continuer, mais le premier <laughs> euh, je vais je vais juste mettre l'accent sur le premier Witchcraft Works mm -hmm. euh, avec mon comparse Seb. Euh, C'est un des titres euh, de 2014 sur ADN il va arriver conjointement avec, euh, oh, avec le manga. D'accord, pour Donc un animé euh, qui débarque. Un animé qui est déjà qui a déjà été annoncé euh, au Japon et là donc on est en, en finalisation de contrat pour pour le placer sur ADN. Ah bah c'est cool. C'est carrément cool. Donc bah le manga lui euh, qui débarque le 10 janvier. Voilà, c'est une série finie en six tomes. Euh, non, c'est une série non. qui continue <laughs> en six tomes. Pardon, c'est <laughs> l'autre qui fait six tomes <laughs> finis. Voilà, et qui est publié dans le magazine Afternoon de Kodansha. Voilà. C'est écrit petit. Bon, voilà. ça, <laughs> euh, donc la deuxième, je le disais, Bullet Armor, c'est une série finie en six tomes. C'est un pur shonen, euh, voilà, tout ce qu'il y a de plus euh, classique et efficace, qui vient de chez Shogakukan et du magazine Gessan. Les tomes 1 et 2 débarquent en mars. Là, je dis pas de bêtises Non, tu dis pas de bêtises. Pour l'instant, oh. tout va bien. Super et puis si vous voulez les résumer, vous irez lire la news sur mangavore.fr ou vous irez sur le site de l'éditeur hein, où elle est aussi évidemment. Et enfin, après ADN, effectivement un news network qui regroupe les catalogues donc de casés animés et de euh, comment Kana Home vidéo pour de, du simulcast animé, il y a une nouvelle plateforme numérique de manga papier qui vient d'être annoncée et ça c'est plutôt pas mal donc Manga by Isneo, voilà donc distributeur numérique va proposer une offre cohérente et conséquente sur un site dédié, une application smartphone et tablette, un prix unique à 4,49€ le tome, voilà, euh, quatre éditeurs partenaires pour l'instant, Kana, Kaze Manga, Pika Edition et Sakka, donc euh, voilà, et les mangas seront disponibles au format OMF qui est un format développé à l'époque par l'éditeur japonais Shueisha pour les mangas Ça en numérique. Est-ce que l'un de vous veut nous en parler très rapidement là On reviendra dessus tout à l'heure, mais... Bah moi, personne. Ouais, euh, chez Kazé, on a, on a collaboré avec, effectivement euh, euh, sur ce projet. On a fait le logo, par exemple. D'accord. Euh, et euh, du coup, euh, on a échangé autour de ce qu'ils pouvaient faire, de... parce que la base de la plateforme, c'était Isneo, mais du coup, plutôt spécialisé Franco-Belge et Comics, euh, qui s'adaptait vers le manga. Donc, ils nous ont posé quelques questions, etc. Ils ont avancé, puis euh, jusqu'au lancement, finalement. Euh... Mais ouais, ouais, ça c'est... ben ça S'est passé dans une ambiance de partenariat pour le coup, et euh, ouais, ouais, on leur souhaite bonne chance, bien sûr. Bah écoute, ouais, en tout cas, moi je suis content de voir qu'il y a, bah, c'est d'ailleurs ce que je disais dans le, il y a deux podcasts, je crois, quand j'annonçais le lancement d'ADN, c'est que j'attendais de voir une plateforme commune pour le manga ouais. numérique, donc c'est plutôt bien, j'espère que ça va bien marcher. Le lancement c'était hier, au 22 novembre. Oui, voilà. euh, juste pour reprendre l'historique, Isneo euh, c'est un ensemble euh, d'éditeurs qui se sont formés pour créer une plateforme pour euh, la BD, et du coup, euh, le c'était euh, de pair à, avec un projet manga qui allait euh, dans le manga numérique. Il y a Shonen Jump Alpha, il y a plein de choses qui existent euh, de par le monde. Il n'y en avait pas une vraie pure, en tout cas avec les vrais acteurs du marché, les plus forts sur le marché euh, français. Et donc, euh, manga baizneo ou tout comme ADN, c'est la meilleure fusion et c'est ouais. ce qu'il devait, ce qu devait y avoir. ouais c'est ouais, vrai. L'un des challenges, ouais, c'est effectivement ce format, l'OMF, l'Open Manga Format, qui est un dérivé de l'ipop 3 hein, pour... Euh... Les plus techniques. Ah, c'est e bien ça, d'accord. Euh, le truc, c'est bien ça hein, Oui, oh, tout dit. à ouais. fait. Donc, le, le, ça, c'était vraiment un non négociable au niveau des, des ayants droit. Euh, Isneo a joué le jeu, plus évidemment l'adaptation euh, euh, de la BD euh, franco-belge vers euh, le manga avec des petits pictos, le sens de lecture évidemment, et tout un tas de choses pour que le lecteur retrouve. Euh, confort de lecture du manga donc c'est vrai que pour le coup c'était un pari quand même à relever quoi c'était pas juste une adaptation on rajoute du contenu y avait ouais. quand même une réflexion de fond pour pas décevoir euh, <coughs> évidemment les, euh, les fans quoi d'accord mmh. du coup j'ai une petite question perso moi j'ai une liseuse pour le coup une une sidebook comme c'est du dérivé de l'ipub, e est-ce qu'il y a moyen de lire les mangas en omf sur... Ah bah là, c'est plus Pascal qui pourra te répondre. Euh, bah, ça sera dans les bonus alors, parce que <laughs> c'est notre partie. <laughs> Isneo, euh... Non, que, euh, disons que on n'est pas assez pointu pour. Je, pourrais... je suis pas assez pointu sur le sujet pour te le dire, okay. euh, parce qu'on euh, fait partie de, des mêmes boîtes, mais en effet, euh, dans la stratégie, on a une stratégie commune, mais dans la technique, euh, malheureusement, je ne sais pas si, si tu achètes un un, un omf, est-ce qu'il marche sur omf, malheureusement on pourra bon, faire d'ici oui. le 5 décembre avant que ça sorte on va essayer d'en de faire un bonus ok super les bonus seront nourris ce pas exactement et bah du coup c'est tout pour les news puisqu'on n'a pas de news à moins que quelqu'un veuille en balancer une hein, si vous avez une info rigolote euh, là, comme à ça, partager ou oh, vous ça, avez euh, des trucs dont vous, vous les sur lesquels vous voulez communiquer euh, d'ici le 5 décembre bah nous on a fait ça sur witchcraftworks. Works euh, maintenant ah, ouais, c'est euh... pas mal déjà hein. nous on a une avant-première le 6 décembre du film de Blue Exorcist au Grand Rex exact, voilà. Donc, exact, euh, cool, exact. par exemple c'est vrai Ouais. c'est c'est diffusé le 5. ça. Ah ah, Dépêchez-vous, c'est demain. <laughs> Exactement. Bah oui, parce qu'en plus demain, graphiquement, la série de Blue Exo, elle est vraiment cool. Quoi. Ah, le mm. film est super et notamment deux longues séquences d'action qui sont pour moi ouais. formidables. Ouais, non, le film est bien. Enfin, moi, j'ai pas été déçu. Les décors sont super. Ça respecte évidemment, bah, un peu comme la série, assez bien le style de. Ouais. De kato, donc ouais, non. Bah, moi, j'aime beaucoup. Enfin, la série pour le coup, là, il y a deux saisons. Non, il y a deux coffrets, mais c'est une seule saison. Je ouais. sais ouais, ouais. Et autant la première partie, qui est trop fidèle au découpage du manga, ouais. un épisode, euh, un chapitre. C'est un peu lent, mais dès qu'ils s'en séparent un peu sur la deuxi le deuxième coffret, ouais. je trouve que la série elle décolle, elle est mortelle. Ah, L'adaptation, ouais. elle est hyper bien. En plus, je trouve que le parti pris, il... enfin, le parti qu'ils ont pris pour pouvoir euh, conclure leur histoire et faire un ensemble cohérent, il est hyper bien. Et moi, je suis très fan du coup des, des 13 derniers épisodes de, de Blue Exo Donc, le film, ouais. c'est vrai que je l'attends avec impatience. Ouais, bah, il est dérivé d'une un, histoire courte qui est au début du manga, qu'ils ont euh, du coup rallongé, et notamment pour rajouter, rajouter du récit visuel. Et alors, comme bon, les perles, le car design est hyper cool, les réalisations oui, bah ouais. est bien, etc., du coup, ça fonctionne vraiment. Enfin, je suis content qu'ils aient pris cette liberté de réalisation parce que ça permet de, de rajouter cette patte cinématographique à cette nouvelle courte qui a plutôt un fond, je dirais, poétique. Quoi. Okay. Du coup, ça marche bien. Ouais. D'accord, d'accord. Bon, ben bah voilà, alors du coup, c'est tout pour les news. On va enchaîner sur l'interview. Mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est Mais qui est-il C'est est le livreur de pizza Une machine à carnisme Un animal tous partout heures de droite bordel Un extraterrestre Ben non, c'est l'invité. Alors Sébastien, oui, qui es-tu Que veux-tu et où vas-tu <laughs> Non alors euh, voilà, est-ce que déjà tu peux nous donner euh, l'intitulé de ton poste chez Casé pour commencer Bien sûr, je suis euh, senior directeur. <laughs> donc non, le, le, bah, moi je m'occupe. penser euh, mon CV. <laughs> non, je suis rentré chez euh, chez CASE en tant que directeur euh, artistique euh, au moment où euh, au moment de la fusion avec Viz Media et euh, du coup euh, maintenant je m'occupe euh, du, du pôle production au sens large donc qui comprend euh, le département fabrication donc le pressage fabrication des packaging etc la production donc euh, c'est-à-dire la transformation de ce qui nous arrive du Japon en tant que matériel euh, vidéo euh, vers, le, vers le pays de destination, souvent la France, on travaille aussi avec l'Angleterre, l'Italie. Euh, la production digitale, donc en gros c'est euh, toute l'équipe de développement informatique, enfin toute l'équipe, ils sont euh, trois, euh, de, euh, de développement informatique, donc par exemple qui a travaillé sur ADN, et le pôle design, donc là qui s'occupe bah, du web design, euh, du design print, euh, du vidéo design aussi, puisqu'on a un monteur qui fait les bandes annonces, les habillages de notre chaîne KZT, euh, les menus DVD et Blu-ray, D'accord, d'accord, d'accord. Alors, comment es-tu arrivé là Est-ce qu'on peut repartir déjà de, de la genèse Comment toi, t'es tombé dans le manga oh bah Moi, je fais, euh, moi je suis né en 77, donc je fais partie de la, de la génération euh, très bon cru. Goldorak. 77, <laughs> voilà, très, très très bonne année. Avec 2-3 loupés, mais bon. Non, 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 très très ouais. bonne année. <laughs> oh, il en Quelques manque quand exceptions, même un petit peu. Ouais. <laughs> tu pourrais faire quelle année, toi je le dirai après. Ah oui, oui, non, je ne fais pas partie de la génération 52. Hein. C'est bien ouais, sûr. Ah, <laughs> donc, non, mais. Euh, c'est trop le petit robot en direct. Quelqu'un ouais. en particulier je... <laughs> Non, mais donc, euh, effectivement, euh, ouais. c'est vrai que moi, j'avais un. Bon, mon père était très cinéphile, donc j'étais intéressé euh, par regarder. Euh, ce qui se passait euh, sur le petit écran ou sur le grand écran, euh, vraiment beaucoup. Euh, mon premier choc cinématographique, quand je suis allé voir, je ne sais pas si vous vous rappelez, Le Labyrinthe, le, le, le film oui, des oui, studio Henson. Voilà. Tout à fait. Donc là, je me suis dit vraiment, waouh, wow, ouais, non, là, attends, ok. Si, si on paye des gens pour faire ça, vraiment, je, je pense que je peux, peux m'orienter vers là. Parce que... <laughs> Donc voilà, avec le recul, le film a un peu vieilli, mais à l'époque, quand on est petit, c'est vraiment... Euh... Et du coup, euh, effectivement, il y a eu euh, la diffusion de Sankukai, de Goldorak, euh, de Ulysse à l'époque. Bon, enfin, on va pas refaire le, le match parce que maintenant ça commence à, être, à passer dans le patrimoine avec on les années à qui passent. Émission, mais, bien euh, bien. mais ça a permis de, euh, de faire quand même euh, une jeunesse et une adolescence orientée sur le dessin et l'animation au sens large. Pas spécialement la japanime, mais vraiment. Euh, moi, j'étais très fan d'animation de, 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 aussi américaine, française, enfin, de bon, voilà, assez euh, worldwide finalement. Et du coup, naturellement, je me suis orienté vers des études de cinéma euh, que j'ai mixées avec euh, un apprentissage euh, aussi de tout ce qui était. J'ai hésité finalement entre quoi Entre l'infographie, comme beaucoup de jeunes euh, qui aiment bien, euh, bien l'anime, et le, et le cinéma. Du coup, j'ai fait les deux conjointement. Euh, pour commencer à participer à quelques productions d'animation par-ci, par-là, un peu en mode stagiaire, un peu en mode je suis un coup de main, enfin un peu à la when again finalement. Mais tout ça m'a permis de participer au développement de bibles de séries qui n'ont pas forcément été prises, puisque évidemment, enfin, les auditeurs ne savent peut-être pas que tous les projets ne sont pas produits, mais bon, du coup, on en a développé plein et défendu plein, donc ça m'a permis de toucher aussi au synopsis. Comme j'avais une formation cinéma qui n'avait peut-être pas forcément les dessinateurs purs et durs, bah, j'intervenais plutôt au niveau du découpage, du pré story donc l'étape avant que le storyboard soit cleané, des choses comme ça, pour finalement, euh, chemin faisant, euh, m'occuper de pas mal de projets euh, euh, sur, la, sur le côté graphique et, euh, et également euh, arriver euh, à être euh, embauché après plusieurs boulots en freelance et puis plutôt plusieurs missions courtes chez C27, euh, qui est donc un éditeur vidéo. Fait. Euh, à l'époque, ils cherchaient à développer. Ils avaient leur magazine DVD Vision pour la partie presse, pour ceux qui. Qui sont encore Et du coup, ils commençaient comme ça, à, bah, à l'image de ce y avait sur ce magazine, à trouver des, des débouchés périphériques pour le DVD qui explosait. À l'époque, ils avaient euh, le Pacte des Houles, le Seigneur des Anneaux et tout. Donc, c'était vraiment le, le voilà. Et euh, du coup, ils, développa... ils ont développé un concept qui s'appelle BDVD et qui était de la bande dessinée animée sur DVD qui exploitait. Euh, l'interactivité les, euh, les, euh, du DVD du coup bon bref je je me suis occupé de réaliser ces trucs là en tant que réalisateur donc il y a eu plusieurs euh, bon le plus gros truc c'était euh, une aventure de Torgal où il y avait quand même trois heures de, de mise en image doublée avec une voix etc bon, c'était une production ah, mal, de dessin hein. animé euh, monumentale sauf qu'il manquait l'étape de l'animation c'était plutôt du bon c'était du after euh, avec une recomposition euh, de la planche au fur et à mesure du film etc donc voilà Finalement, j'ai fait de la direction artistique chez eux. Après, on a fait euh, le même format de DVD en petite carte postale. Puis après, euh, j'ai multiplié comme ça les projets. Je suis parti au Laos, par exemple, pour encadrer des étudiants là-bas et on a réalisé le premier court métrage animé de l'histoire du pays avec les étudiants des Beaux Arts de Vientiane, qui est la capitale. Donc voilà une expérience qui nous a permis de travailler un an en amont avec eux sur l'histoire et que ce soit vraiment une histoire laotienne. Puis euh, trois semaines sur site de réalisation. Euh, en important bon bah, un peu du matos etc et en se démerdant là-bas va se percevoir que les gars étaient super doués donc voilà par exemple donc il y a eu plusieurs projets comme ça qui sont succédés euh, j'ai fait un livre d'histoires pour enfants aussi euh Incroyable l'histoire de Gaston et Lucie qui est sortie aussi pendant un peu après. Enfin, bon, voilà, il y, y a eu plein de, de projets autour de l'audiovisuel. Je pourrais vous en parler pendant les deux heures, mais du coup. Euh... <laughs> et euh... Non, mais vas-y, <laughs> profite-en. Là, t'as <laughs> pas deux heures, mais <laughs> justement. Là, c'est ton créneau. Ouais, hein. non, mais voilà, non, mais voilà. En gros, euh, vraiment, euh, j'ai travaillé aussi. Euh, on avait monté une boîte de tourneurs d'artistes euh, qui s'occupait de faire tourner pas mal de spectacles. Donc, du coup, on euh, s'occupait de la partie visuelle. Euh, bon, enfin, on. Les, les, les projets culturels se sont succédés. La chance que j'ai eue, c'est vraiment de peu faire d'agence. J'en ai fait un peu, mais bon, voilà, de, de direction artistique un peu moins euh, funky euh, sur des tubes de dentifrice et des bijoux et des choses comme ça. Et euh, finalement, euh, ce long euh, parcours m'a amené chez Kazé euh, au moment où euh, ils cherchaient un directeur artistique. Voilà, donc je suis arrivé. Ça euh, s'est bien passé. Puis, euh, de fil en aiguille, euh, ils ont... Euh bon, le, le département design, euh, comme je disais, euh, production digitale et production, ont fusionné, ce qui, moi, m'a permis de créer, bah, finalement, des dynamiques entre les différents pôles, euh, les informaticiens qui travaillent vraiment proche des, des graphistes, qui travaillent proche de la production. Par exemple, dans le cas d'un Autoring Blu-ray, j'ai intégré l'autoring Blu-ray, etc., pour réduire les coûts et optimiser aussi la, la qualité, on va dire. Enfin, euh, pas vraiment la qualité, mais le fait que ça corresponde bien aux attentes des fans, pour que ce ouais. soit fait par des fans pour des fans, en gros. Euh, et euh, du coup, ça fait trois ans et demi là, que je, que je m'occupe de, de faire tourner euh, tout ça chez Cazé, quoi. Donc ça veut dire que euh, je fais des grosses semaines. Des grosses semaines, gros. semaines c'est quoi euh, des... C'est 37-38 heures des ça, fois. Hein. 37-38 heures, ça c'est les jours qui déclarent. Voilà, c'est ça. Non, mais ouais, non, ça fait vraiment des, ouais, ça fait des grosses semaines parce qu'il y a plein de projets. Il y a plein de projets. Euh, projets a... enfin, c'est vrai que moi, je suis vraiment du genre à me dire qu'on va... Euh, avoir le meilleur rendu possible. Je enfin, voilà, je sacrifierais jamais la qualité d'un projet dans la mesure évidemment du budget, des gens qui sont là, bien du sûr. temps qu'on a, etc. Donc des fois malheureusement, on fait des compromis, mais le but principal, c'est quand même de faire les choses que ça sorte, que ce soit bien. On ne rendra jamais tout le monde content, mais euh, au moins, euh, voilà, on, on aura fait notre maximum. Quoi. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et puis, euh, et puis, je suis content d'avoir participé à toutes ces aventures au fil des ans qui m'ont fait rencontrer plein de gens, euh, tisser un réseau et revenir finalement euh, à l'animation mais alors moi c'est vrai que par rapport peut-être à un profil un peu plus au euh, je suis euh, je suis vraiment un fan d'animation point quoi vraiment la juste voilà, japonaise quoi. Voilà. Bah, disons que pour moi dire je suis un fan d'animation japonaise c'est comme dire euh, j'aime bien euh, ce qui est français quoi bon euh, au final euh, au final on va se retrouver avec euh, du bon et du moins bon euh, du divertissant et du et du plus réflexif euh, dans euh, moi, je sais pas dans, dans dans le dans les films d'animation de l'école russe de Hollywood dans le cinéma de Ralph Bakshi des années 70 aux États-Unis dans les films français de René Laloux enfin bon, pour moi tout ça est finalement pas tant éloigné la principale différence on pourrait dire qu'elle est au niveau du, du récit et du rythme visuel du montage presque ouais. euh, et pour moi c'est des manières de délivrer un message donc au final tout ça se se mélange joyeusement parce que ça reste de l'expression artistique quoi donc euh, Enfin, je, suis, je suis vraiment très content euh, que la société se, euh, que je, de travailler sur, sur la, la japanime parce que euh, c'est quand, euh, quand même le pays où il y a, a, a la production la plus variée. Quoi. Là, par contre, on peut pas. Voilà. Et là, du coup, ça permet de voir de tout, euh, euh, mais vraiment de tout euh, passer sous, sous les yeux et puis se tenir au courant de ce qui se passe. Enfin, bon, voilà. Ouais. Alors, du coup, j'ai deux questions. Ouais. Un, quel est le, le projet sur lequel tu as travaillé et dont tu es le plus fier en termes de réalisation professionnelle. Ouais. Et comme tu dis justement que bosser sur l'animation japonaise, ça te permet de voir de tout. Quelle est euh, l'œuvre en fait, que tu as préférée sur les trucs sur lesquels tu as, as pu voir passer depuis que tu es à Kazé euh, Depuis que je suis à Kazé, euh, il y a une série que j'ai vraiment adorée Ghost Hound, pour ceux qui l'ont vu, donc, euh, et, euh, qui est une histoire, un genre de Twin Peaks un peu fantastique. Euh qu'on qu a sorti, qui existe, en, qui est encore disponible en coffret intégral, euh, voilà. Donc ça, c'était vraiment super, un long métrage euh, euh, pour lequel je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de de, de move, des gradelines, métrage que j'ai trouvé vraiment euh, formidable et euh, je pensais qu'il allait avoir un peu plus de buzz, de mouvement autour du film parce que vraiment, pour le coup, euh, c'est quoi le pitch de Gradline C'est une course automobile euh, du futur euh, et puis c'est euh, complètement star shooté. Euh, les... Ah bon, l'univers graphique est complètement délirant euh... bah, je... personne l'a eu non, ça j'ai je ne l'ai pas, pas encore fait, maté je, ça, le, ça me dit quelque chose <laughs> ouais, j'ai dû ah, voir bon. un article dessus ouais, là, sur un héros graphiquement c'est hyper stylé ah, la jaquette ouais, est... est... bah, le héros il a une grande banane ouais. bon bref c'est rock et roll dans le futur donc euh, ouais non vraiment j'engage du coup tout le monde à découvrir ces films, par exemple voilà puis des projets Ouais, je sais pas, bah oui, l'épisode, Torgal, regardes, c'était bien, l'épisode Olaos, c'était super. J'ai co-réalisé aussi un court-métrage qui s'appelle Yabasta, qui a été sélectionné à la collection Pixacris sur Canal, qui m'a donné l'occasion de travailler en 35 mm. On a travaillé avec des handicapés mentaux, euh, qu'on voit toujours et qu'on amène toujours sur la Festival, parce que le film a vraiment beaucoup tourné, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, euh, du coup, voilà, ça, c'était un projet aussi important. Pour gars, vous avez travaillé un peu avec les auteurs Ah, ou tout vous à étiez... fait. ah bah plus que, ce que je pouvais. <laughs> Donc, oui, oui, euh, on a en étroite collaboration vraiment avec Grégoire Rosinski à l'époque. Et, euh, et euh, on a rencontré euh, Jean Van Damme, qui a validé quand même l'adaptation scénaristique, etc. Qu'on a pu interviewer pour les bonus. Et Rosinski, on est allé chez lui, on l'a filmé en train de peindre, enfin bon, on a. D'accord. Ah, ouais, ouais, pour le coup, on a vraiment euh, travaillé main dans la main. D'accord, bon, bien merci. Euh, si personne n'a d'autres questions, on va faire un rapide euh, quand même euh, euh, retour sur sur l'année qui vient de s'écouler pour Pascal et puis ensuite on fera une euh, pause musicale. Oui, euh, par Alors, quoi, on peut commencer bah, <coughs> Je sais pas, depuis l'année dernière. Alors que depuis l'année dernière. Donc Gensai en fait, euh, on va on va faire un petit un petit rapide. Ça me permettra la transition avec euh, avec ce que vous allez dire, enfin surtout les questions que vous allez nous poser. Euh, Gensai avait été développé euh, à l'époque euh, en 2012 avec une, une bêta en juillet et une sortie officielle en octobre euh, pour devenir agrégateur de, un agrégateur de, de toutes les séries animées. On avait commencé sur une plateforme technique euh, américaine et euh, tout l'édito et tout le commercial et, et toutes les séries étaient apportées par euh, Canon Vidéo, euh, mais ce n'était pas le but ultime, le but ultime c'était de faire en effet une marque blanche où tout le monde se retrouve. Euh, ça a plus ou moins bien marché, mais on s'est retrouvé à, euh, on s'est retrouvé très rapidement devant euh, euh, une opportunité, euh, et on s'est dit que le meilleur moyen, c'était d'y aller armé. Donc on a, on a vu, on a beaucoup discuté depuis mars avec euh, euh, mars 2013 avec euh, Kazé, euh, avec Vise euh, euh, là-dessus et euh, avec un partenaire euh, télé qui s'appelle. Euh, euh, le groupe Viacom, donc MTV, Game One, Nickelodeon, et ils avaient l'option de créer une chaîne qui s'appelait J1. Et on s'est dit que c'était la meilleure opportunité de ramener de l'animation, beaucoup plus récente, à la, télé. à la télévision. Voilà. Okay. Donc c'était très, très, très beau projet. Alors après, euh, euh, il y a aussi euh, Senseiya Omega, il y a aussi euh, la suite de One Piece, euh, il, y a, il y a toujours euh, du Naruto Shippuden et du Fairy Tail à outrance. Et ah. notamment euh, en juillet où on avait sorti euh, le film de Naruto euh, uh, Shippuden le dernier euh, Road to Ninja et, euh, et le film de Fairy Tale et avec, euh, avec les deux sorties cinéma ouais, Donc, fait. Euh, très très proche où euh, ça a plus ou moins bien marché euh, sur toute la France. Ouais, ouais voilà. c'était plutôt sympa. Et eh ben ok, merci. Et eh ben on va du coup enchaîner sur la, la sélection musicale qui est à nouveau refaite par euh, l'invité. Donc, euh... oh. Donc un titre euh, du fin fond des années. Euh... <laughs> ouais. Alors le truc c'est qu'en fait euh, il a fait Sébastien, tu as fait un choix que j'aimerais beaucoup mettre, mais j'ai peur de pas réussir à le trouver. En l'occurrence, <laughs> c'est le pochard galactique ah des oui. maîtres du temps parce que je ne sais pas du tout où je vais trouver la BO de des maîtres du temps même si j'adore ce film. Voilà. Peut-être qu'il peut, qu peut le faire alors, la bouche ouais. éventuellement. Oh ouais. Alors bon déjà. Ah, Capella, Non mais si tu l'as, tu peux me l'envoyer. Alors à ce moment-là, euh, effectivement, je mets ça. J'ai le DVD. Mmh. Euh, mais du coup, ça nécessiterait un petit travail d'adaptation. Je sais que le 45 Tours existe. Mais euh, bon, va ouais, non, euh, bah, je... coup... bah, sera... non, mais voilà. Donc du coup, du coup on va rester sur... Eh ben, bah, écoute, voilà. Le, le générique, effectivement, un peu... Enfin, non, c'est le générique qui pas tant larmoyant, est plus la série. De l'oiseau bleu. Oui. en version française, ah, effectivement. Voilà. un Choix très particulier. Oui. Voilà. On va se retrouver après le générique de l'oiseau bleu avec euh, une... Ah, rubrique non, 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 on va demander avant, mais pourquoi le générique On demande de avant, d'accord. On demande avant, fait, pourquoi oui. c'est générique Non, mais... Moi, avant de plonger dans l'eau, je veux savoir si elle est bonne. Alors, okay. coup, euh... Non, mais pourquoi Pourquoi elle est bonne pourquoi Parce que finalement, euh, non, mais c'est vrai que je me suis dit bon, déjà, je vais choisir quelque chose de pas trop entendu. C'est euh, gagné. Non, mais voilà, parce que pour fond. le coup, moi, c'est un générique qui est resté dans mes, dans mes souvenirs et surtout hyper bien, hein. euh, la, la, la la composition, je la trouve super, la mélodie est super, la voix est complètement euh, un choix ultra bizarre euh, qui. J'ai presque pensé que c'est un instrument supplémentaire plutôt qu'une voix qui dit des mots. Enfin, je sais pas, il y a une mayonnaise qui prend, euh, qui est très émouvante, l'histoire de la série étant aussi euh, assez poignante. Enfin, moi, pour l'avoir vu en tant que gamin, c'est vrai que je ça a été un genre de, ah, mais mortel, un... Hein. de choc, quoi. Ah non, Donc, mais je suis euh, d'accord. Hein. Voilà, je m'étais dit que c'était l'occasion de redonner toute sa superbe à ce moment musical. Et, bien, merci. Et de le découvrir. Ça va, l'eau est bonne alors bah on va voir. Bon, Allez, bah écoute, euh, j'espère que ça va te plaire parce qu'ensuite, avant d'enchaîner de, sur le, le gros de l'émission, on va d'abord enchaîner sur ton sur ta chronique. Oh et voilà, donc on se retrouve après l'oiseau bleu. Oh Des enfants et de l'oiseau bleu. Ils voyagèrent à travers les miroirs, jusqu'à l'animal fabuleux. L Espoir de la soigner. Dans son cœur était resté pur, il vit le monde des souvenirs, le magique palais de la nuit, les feux volaient le royaume. Oiseau bleu... Alors arrête de la larme On va dire Je vais dire qu'il est triste On va partir sur euh, un billet qu'on espère drôle, en tout cas... Bah attends, mais attends, mais on espère pas... Pas l'impression pression Ce sera toujours. drôle Évidemment, Évidemment que c'est drôle Il n'y a pas de pression, hein Vas-y, vas-y, lance. Vas vas lance Allez, c'est parti Vas-y, lance Chronique de Tofu, saison 5, épisode 4. Une Quel dansement tout calme. Quel hein. tout Mais calme. Oui, D'accord, on l'a refait. Parce qu'on est un petit voilà. peu dans un lieu où il y a Allez. des gens, alors je me voilà. suis dit du coup, on Allez, fait. prise 2. <laughs> <deux. rire> oh, tu veux de l'enthousiasme, tu veux du cri de guerre, on va te le donner. Bah, okay. ah, alors, ah, euh, moi, sur... pas. <rire> parce <rire> que oui, on y va. Entre les deux. Prise 2, claque. Chronique de Tofu, saison 5, épisode 4. C'est bon, on la garde, fait Allez, on, on la faire une troisième fois. Garde, okay. bon, ouais. Chronique de Tofu, saison 5, épisode 4. Une chronique de Tofu écrite avec deux amis inséparables, Vitesse et Précipitation. Un soir <laughs> de cette semaine <laughs> où je vous assure. Quelle différence avec les autres Oh, tu vas voir. <laughs> Un soir de cette semaine où je vous assure, j'ai tout fait, tout. Pour lutter, pour ne pas me laisser distraire, mais que des fois c'est pas facile. Monsieur Kuhn me comprendra, puisqu'après la mangaphilie, la trichophagie et l'élection de Miss Boom Boom au Brésil, le football est sa quatrième passion préférée. <laughs> je... Tu remercieras Al pour cette blague, normalement c'était pour lui. D'accord, hein. mais en l'occurrence, oui, j'ai regardé le match. Donc euh, la voilà. gentlemanry élémentaire ne nous permettant évidemment pas de compter sa fiancée dans la liste, quoique tu l'aurais classé où, monsieur Kuhn Alors c'était la liste des... vas-y, redis, que je Alors envoie la exact... non, non, mais c'est la liste de quoi la liste de tes passions. De mes passions, voilà, c'est bien ce que je pensais. Or, ma fiancée n'est pas une passion, c'est plus que ça, c'est toute ma vie. Ah Ces moments de tendresse vous êtes offert par la chronique de Tofu. <rire> <rire> Bref, j'espère que ça ne se <laughs> verra pas <rire> trop. <rire> Mais tu je pourras suis là... rentré ce soir, oui. Absolument. <laughs> On reprend, s'il vous plaît. C'est moi la star de ce non, passons moment. Non, autre chose, en fait. Ah bon <laughs> Bref, j'espère que ça ne se verra pas trop, mais je suis là et bien là, et c'est le plus important. Et parlons-en justement de cela le manga café V2. Le manga café V2, exactement. Monsieur Skomina siffle le coup d'envoi de la première période les Ukrainiens engagent. Pardon. S'il y a un mois, c'était l'emménagement du podcast. Aujourd'hui, c'est donc un peu la pondaison de crémaillère. Et du coup, j'endosse le masque et la cape. De super petits malins. Non, pas l'ours aimable, gentil et malin, câlin, à l'abri de ton cartable qui sera ton copain. L'autre. <laughs> Celui qui a bien, bien séché tout le déménagement, qui s'invite à la porte de son crémaillère et qui se sent investi par la mission d'avoir toute la légitimité de critiquer les petits détails. Ouais, les canapés sont bien, mais le cuir, c'est surfait. Et puis, ça manque de striptease, ce café. C'est une obsession. Ouais, c'est clair. L'ancien parisien frappe du gauche et Marc But de Sako à la de deuxième minute. Et c'est vrai que ça manque de strip-teaseuse. Nous voici donc au Manga Café V2 et je sens déjà que notre équipe a trouvé ses marques. Au coin du feu, Tata Fai caresse son album de beau gosse coréen chélifié en guettant par la fenêtre le retour de son gloumatou. <laughs> le garou, le wow, Muriel drôle. et Alessio, vous notez à quel j'arrive à vous introduire dans ma chronique. Pas mal, est les est pas, est pas mal, Muriel et Alessio jouent dans le salon pendant que Maman Sepp papote avec les invités. Ouais, okay. Certes, une fois de plus, Maman koon <laughs> se languit de Papa Al et son amant or est toujours porté disparu. Mais... Moi, j'ai pas de problème sur les, les trucs, c'est juste que en fait, je, je préférerais être Papa koon avec Maman Al, <laughs> ça me <laughs> paraît plus cohérent. En fait. C'est ma chronique, tu es Maman koon. <laughs> Mais on est là, déjà en train de fabriquer des guirlandes en papier crépon, parce que quand même, dans un mois, c'est Noël. Gaffe quand même, messieurs les invités, je connais Maman Koun, je connais ce petit œil fripon et sa main qui caresse sa barbiche. C'est sûr que le manque de calinou se fait sentir. La dalle. J'étais et... une semaine loin de chez moi, quoi. Dire. Et Benzema, Babiatov, but à la quatrième minute. Les compteurs sont remis à zéro. Alors, sinon, comme ça, ah, DN Comme si l'avalanche de sorties BD et manga de cette fin d'année ne suffisait pas encore. Encore un attentat à l'offre attractive contre ma carte bleue. Alors, monsieur Pascal et Sébastien de Cazé, vous trouvez ça joli, joli, et seulement pour 6,99€ par mois. Monsieur Skomina sort un nouveau carton rouge pour Caléchil, le défenseur ukrainien. Vous trouvez ça malin de mettre en ligne plus de 4000 épisodes et 170 séries avec toutes les semaines des nouveautés en direct du Japon pour apprécier abordable 3 oui. minutes de temps additionnel <laughs> vous pensez quoi que la nuit oula je vais trop vite que la nuit après mes quotidiennes 5 heures de sauvetage de l'univers à starcraft 2 tout en prouvant qu'on peut très très bien vivre en se nourrissant uniquement de noix de cajou de vache -kiri pour le calcium et de boissons hyper protéinées vous croyez qu'on a encore le temps pour regarder des animés eh bien, oui, on a le temps, mais on dort peu, et du coup, on est un peu chafouin, irritable et énervé quand on enregistre un pod le samedi après-midi, et ce que ce gros malpoli de Monsieur Kuhn ne répond pas à mes SMS 93 e minute, coup de sifflet final à nous, le Brésil Bon, Sébastien et Pascal, vous m'avez brillamment convaincu. J'ai ma CV sur moi, c'est vrai qu'il y a toujours 15 jours offerts pour la scrupulation d'un abonnement oui, oui, absolument. Et eh bien la suite le mois prochain, je vous remercie. <rire> bravo, <rire> bravo. Ah, j'ai envie d'applaudir. Ce mois-ci, ouais, la, ouais, oui, la, <laughs> mois la rubrique de tofu est sponsorisée <laughs> par le site animedigitalnetwork.fr. Oui, alors j'attends toujours <laughs> mes figurines <laughs> pour celles d'avant-avant. Hein <laughs> <laughs> on devrait bah, parler bah, par aux sans. gens qui travaillent dans bah, cette boîte voilà, de figurines. Par exemple, aux gens qui buzzent dans cette boîte, exactement. La suite. Je te rends ton écran mon Exactement. Et donc euh, sur cette rubrique, un temps soit peu commercial. Ce commercial, <laughs> <commerciale>, non. Je engagé Engagé. Je Che Guevara avait ses combats, j'ai les miens. Propagandiste un peu. Pardon. Voilà. Après cette rubrique un peu propagandiste, nous enchaînons justement. On reste dans le thème puisqu'on on parle du dossier du mois. Enfin. De l'interview, à savoir un peu le, le cœur business de l'alliance KZKNA, on va l'appeler comme ça. ADN. Mmh. L'interview. Alors, qui s'y colle ici pour nous rappeler ce que c'est, même si on en a déjà parlé plein de fois Alors, on peut le faire à deux. Je démarre ouais. et Sébastien pourra compléter. ADN, Avec donc plaisir. Anime Digital Network, c'est la fusion entre. Genzai.fr, le, euh, le site de simulcast euh, des, pas de, des grosses séries, euh, principalement Canam Vidéo, donc euh, Naruto, Fairy Tail, euh, pour ne pas nommer Hunter Hunter, Space Brothers, et de l'autre côté Kazéplay Et euh, play et son énorme bac catalogue et toute la qualité du, euh, du, euh, de, des séries qu'on connaît chez eux. Les deux leaders du marché. Euh, les deux plus gros producteurs d'animation euh, avec un site qui se veut euh, agrégateur et euh, surtout pour les fans éviter d'avoir 20 abonnements éviter d'avoir euh, euh, un abonnement chez un tel et un tel ouais, payer ouais. une seule fois pour récupérer ce qu'ils veulent euh, pour 6,99 par mois absolument euh... oui bah, effectivement euh, c'est vrai qu'on est euh... Je pense que c'est le catalogue en offre légale, maintenant le plus grand qu'on peut avoir en, peut avoir en, en France, euh, avec effectivement, comme l'a dit Pascal, les deux catalogues réunis. Donc ça, c'est quand même une première euh, euh, historique, parce que, euh, comment dire, si on regarde un peu vers le futur, euh, il est évident qu'on va aller vers un regroupement des catalogues d'une manière ou d'une autre. Euh, pourquoi bah Parce qu'on euh, se met tout à fait à la place d'un d'un spectateur, euh, d'un fan sur Internet qui, doit, qui devrait payer euh, plusieurs abonnements mm -hmm. euh, et auquel on explique, euh, à, bon, à juste titre, qu'il euh, faudrait, euh, pour l'avenir de l'animé, rester dans le légal, euh, euh, et qui, euh, pourtant, lui, se retrouve avec une offre complètement dispersée. Quoi. Donc là, c'est vrai que ça permet de se focaliser sur un gros catalogue. Je pense que c'est un, un, un jalon quand même important. Euh, cette association de Kazé et, euh, et de Cana euh, autour d'un même projet quoi ouais, ouais, ouais. d'ailleurs euh, bah, je saute un peu voilà j'ai toute une tas de questions mais elles vont partir euh, dans tous les sens on peut envisager de voir d'autres acteurs vous rejoindre euh, sur ce truc ah bah alors là écoutez euh, vraiment euh, ils sont les bienvenus euh, le projet de toute façon l'orientation du projet il est tourné vraiment vers le fan vous. ou le grand public enfin en tout cas vers le, le, le client potentiel euh, et qu'il ait une offre la plus diverse possible en animé, quoi. Donc, euh, je dirais, euh, le reste après, c'est euh, des ententes, des accords et des, des choses ennuyeuses. Mais euh, le, 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 vraiment, le fond du problème, c'est que l'offre soit la plus large possible et surtout la plus qualitative possible, parce qu'il ne faut pas non plus qu' de la quantité, de la quantité, et puis que finalement... On... Et qu'il n'y a que du fond de catalogue, de séries euh, que tout le monde a déjà vu, des séries. Du remplissage. Bah oui, machines, que, que du remplissage pour dire sur les, sur les flyers, on a euh, tant de milliers d'épisodes. <laughs> non, oui, non, mais sauf que tu vas découvrir des trucs, tu vas te faire plaisir, tu vas retrouver les animés euh, que t'aimes bien et avec lesquels euh, tu es content de passer tes soirées. Enfin bon, voilà, il faut, faut quand même que ce soit aussi euh, qu'il y ait une qualité de l'offre et une complémentarité des séries. D'accord. Donc bon, vous accueillez les, les gens avec plaisir, mais pour l'instant, il n'y a rien en vue. Euh... Attendez, on, on vient juste de <laughs> ouais, ah ouais, 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 C'est ouais. ouais. le public Alors, français hein, <laughs> actuellement, le public français, c'est dès qu'il y a un truc qui arrive, on veut déjà la sera nouvelle chose. Le, le 5 décembre. Voilà, ouais. coup, bon, on euh... va se projeter dans un mois, genre, est <laughs> On est aujourd'hui le 15 août et déjà non, non, non le truc c'est que non mais non, non, on vient déjà de passer à un espèce de cap qui pour moi, j'ai quand même bien suivi euh, <laughs> l'animation euh, de ces 15 dernières années, et quand même une première. Donc voilà, on, on arrive, voilà il se passe quelque chose, plutôt que rien, plutôt qu'une une situation un peu comme ça, sclérosée, où euh, chacun avance un pion, c'est le serpent qui se mord la queue avec les pirates et, les, et le vide juridique. Enfin bon, euh, voilà, il y a rien de se passe. Là, bon voilà, il y a une avancée, avec ses points forts et ses points faibles, j'imagine qu'on va développer, mais du coup, euh, qui, euh, qui est quand même une réponse. quoi. Voilà, Tout à fait. Alors, au niveau technologie, un peu comment ça fonctionne euh, ADN Donc, on est sur un site euh, qui fonctionne avec abonnement pour euh, mater des, pour mater des, des ah, animés en streaming. Ça oui, c'est ça. Voilà. Alors, abonnement, il euh, y a euh, une partie de l'offre qui est gratuite, hein, mm -hmm. puisqu'on a quand même des contenus qui sont gratuits, j'entends par là. Alors, il y a des, des contenus que j'appellerais bonus, comme des mini-séries, des openings, des endings, etc. Mais il y a aussi quand même le premier épisode de la plupart des séries qu'on peut regarder euh, gratuitement. Ça fait. Euh, à la souscription de l'abonnement il y a 15 jours, donc de gratuité également. Mmh. Euh, donc ça permet, ça permet quoi bah Finalement, ça permet de déjà découvrir les, les séries avant de, de les, avant de payer quelque chose, puisqu'on a quand même regardé l'épisode 1 euh, pour rien. Déjà ça. Voilà. Et, euh, et après, bah, euh, on se retrouve avec une, un, une, un, une, une première offre d'abonnement euh, qui est à 6,99 par mois, où là on a accès quand même à tous les simulcasts. Bon, j'imagine aussi qu'on va en parler, mais qui est quand même un des gros attraits du site plus tout le fond de catalogue euh, et après euh, l'offre d'après qui est à donc euh, 999, 999, 999, 9,99 voilà ça ou voilà y a, on, on passe sur les films euh, le catalogue des films parce que bien sûr vous savez que les droits ne sont pas les mêmes il euh, y a des achats qui sont, qui sont différents donc euh, on avait besoin de scinder en deux cette euh, cette offre et, euh, et euh, le point qu'on peut mettre en complément de, de ce qu'a dit Sébastien, c'est qu'en effet, on a un abonnement. On évite le SD, HD, c'est tout en HD. Ouais. Euh, c'est euh, du H24, que vous soyez mobile, euh, iPad, tablette, etc. Donc le site est, euh, est développé de telle façon à ce qu'il soit compatible sur les tablettes. Et euh, Seb, il euh, y a le. Donc euh, fin novembre, début décembre, il euh, y a une appli. Ouais, alors en fait, bon alors. Donc la, dans la deuxième offre d'abonnement, en complément aussi, il y a les films et les OAV, hein, mmh. je, je, ouais. je, Donc voilà, parce qu'on n'oublie pas non plus les OAV qui viennent compléter les séries, etc. Après, euh, effectivement, on va déployer l'offre euh, sur, euh, sur mobile, donc euh, sur Android et sur euh, iOS, donc sur Apple, quoi. Ouais. Euh, donc il ouais. y, y aura une appli avec mon compte ADN. Je peux euh, consulter ouais, ça avec euh, l'appli iTunes. Ouais, ouais, aucun problème. Euh, euh, comment dire il y, a, bon, bah donc, euh, il y a du 720p, du 480p, et on s'oriente. Là, on est en train de réfléchir au, au 1080p, puisqu'on a ouvert sur le site ce qu'on appelle la boîte à idées. Donc, ouais. là, on peut participer chacun peut proposer des idées. Et, euh, et donc, avec un cumul de, de points qui se, renouve, qui se renouvellent. Euh, euh, quotidiennement, on peut donc euh, du coup euh, voter et plébisciter les bonnes idées. Donc euh, le 1080p est à l'étude par exemple. Euh, bah, évidemment, la déclinaison, mais bon, là on n'avait pas besoin de la boîte à idées pour se dire que c'était cool d'avoir une appli sur, euh, <laughs> sur, sur, sur de... tablette ouais, et voilà. sur là. Euh, le site est également responsive donc ça veut dire que bon, bah voilà, il se, re, il se resize et il se recolle aux fonctionnalités et aux impératifs euh, ouais. de maquette de, des tablettes et des, et des iPhones. Bon, bref, on essayait quand même de faire quelque chose euh, qui, est, euh, qui est en devenir sans être non plus. Euh, Trop pointu pour se démoder trop rapidement. Donc voilà, ça évolue euh, voilà euh, au fur et à mesure et aussi donc en fonction. On a essayé d'ouvrir pour le faire voler en fonction des retours du public parce qu'évidemment c'est primordial qu'on On va pas faire l'autruche et puis. Euh... D'accord, d'accord. Est-ce que vous envisagez une appli euh, Je sais que donc euh, Gensai avant était basé sur la technologie Crunchyroll. Que crée, Crunchyroll a, euh, je crois que c'est aux États-Unis, ils avaient une appli Xbox, PS3. Xbox, PS3. Xbox, PS3. Là, c'est en termes de développement donc. Euh... C'est en cours de, de, de prod, bien sûr, mais vous réfléchissez ça ne sera, sera pas 2013, ça sera vraisemblablement courant 2014. Il ouais, bah, faut dire que 2013, de toute façon, là, il nous reste un mois et demi. Exactement. Un, moins d'un un mois pour ceux mois qui contrôlent. Les c'est pas pour Noël. Ouais. On est déjà voilà. le 5. Ouais. Voilà, mais donc, ça, ouais, ça c'est un truc qui, qui va venir sur les, les prochaines C'est une réflexion. Tout dépend de, ouais. voilà, de la matrice de, de développement, parce que c'est toujours difficile bien euh, sûr. de développer ouais. sur une nouveauté. Là, pour l'instant. Voilà, parce que la, la l'intérêt c'est quand même de pouvoir mater ça sur sa télé et pas juste sur son ordi mmh. est-ce que l'appli mobile on peut envisager qu'elle qu fonctionne avec du Airplay, euh, l'appli tablette pardon, ouais. Apple que... ah, oui on peut tout envisager Après... <laughs> non non. mais nous c'est vrai qu'après c'est le planning c'est le planning de production et puis il faut avancer parce qu'il y a aussi y a la partie je dirais front office du site mais il ne faut pas oublier qu'il y a des énormes outils de back office c'est à ouais, dire ouais. ce que voit pas l'utilisateur euh, l'autre interface qui est derrière, qui a développé des outils énormes même de, 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 bah, de mise à jour oui. euh, des une... séries du, du contenu. Oui ouais. voilà c'est ça, il y, a, il y a une grosse production là, vous êtes, on ouais. me disait tout à l'heure Pascal, là vous êtes à 520, ouais, 520 épisodes du coup euh, par an. Euh, euh, voilà, on, euh, est en, on est en nouveauté, euh, nouveauté euh, il voilà. y, y a 520 épisodes prévus par an minimum sur des 10 séries. Là on est déjà à 12 séries ouais. sur le site ADN, euh, donc euh, on compte déjà sur une, une prod. Euh, on, a, euh, on, a six on est à septième ou huitième épisode produit, pas encore diffusé. Euh, bah voilà, euh, on est à peu près à 80 épisodes. Quoi. Ouais. Déjà. Déjà. Ouais, ouais. Pas mal, ça Déjà. avance vite. Hein. Ça avance vite. Bah Il ouais, bah faut se rendre compte que c'est 12, 12 mises en ligne hebdomadaires quand même, euh, sous bon avec euh, les, les standards aussi de, de qualitatifs de sous-titres qui sont les nôtres. Donc quand même, c'est assez pointilleux et c'est quand même un travail qui prend du temps. Euh, euh, avec une réactivité euh, quasi immédiate en fonction du moment où on reçoit aussi le matériel, parce qu'on ne le reçoit pas évidemment toujours euh, antérieurement à la diffusion japonaise. Euh, donc, ouais, euh, concrètement, tout le monde est sur le pont en période de, de diffusion simulcast euh, en, pour tenir les délais. Quoi. En moyenne, vous le recevez, euh, alors on reviendra après sur la différence entre ADN et, et, et Jiawan, mais ouais. vu que la première diffusion c'est sur Jiawan, avant cette ouais. diffusion-là, en moyenne, vous le recevez combien de temps l'épisode avant ça Alors, euh, ça dépend des ayants droit. Euh, en général, avec Seb. Euh, on a deux trois jours avant la diffusion, euh, soit une version de moindre qualité, euh, un peu watermarkée, c'est-à-dire avec des logos un peu partout, pour que nous, on puisse travailler la traduction et la rendre à temps, parce qu'on ne fait pas de fast-sub, c'est n'est pas, pas notre travail, que ce soit Canon Vidéo ou que ce soit Casé, euh, euh, on a toujours travaillé selon des standards. Alors, au début, DVD et là, des standards de diffusion. donc On a des traducteurs qui sont payés pour ça. Euh, qui vivent de ça, et heureusement, donc ça je, 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 je mets l'accent parce que c'est bosser, être payé pour sa passion, c'est quelque chose de très fort. Après, mettre à disposition de tout le monde, c'est très bien. Euh, mais c'est... Voilà, D on va en reparler, on, y mais on l va revenir tout à l'heure. Mais en bref, 2-3 jours avant la diffusion, ça peut monter à 5 selon certaines, euh, certains épisodes, certains studios. Euh, quand par exemple, il... Comme euh, des, des séries télé, vous produisez un ou deux ou trois épisodes en même temps, donc ça permet d'avoir un roulement et donc de préparer le reste ensuite. Donc, c'est vrai qu'on a, on a, on a de l'avance. D'accord. Alors tu disais justement euh, aussi bien vous que Kazé, Donc en fait, malgré cette plateforme commune, chacun reste, euh, chacun reste chez soi. Vous, Casé, Vidéo bosse sur ses épisodes et Kazé bosse sur les siens. ou non. Vous avez des équipes techniques communes maintenant. Comment non. ça marche on a, on a une plateforme, et Sébastien va pouvoir y revenir. On a une plateforme commune qu'on a pensée en commun, qu'on a travaillé en commun, euh, avec des idées de toutes parts et qui a été essayé de, 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 de mixer et de sortir le meilleur produit possible avec euh, nos différences et avec nos points communs. Maintenant, éditorialement, ça va être difficile pour Casé de parler de, 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 de Fairy Tale en animé ou de Space Brothers. Moi, ça, ça me sera très difficile de parler mieux que, euh, que Sébastien sur. Euh, euh, Maggie ou sur Kurokos Basket ou sur d'autres séries. Donc, en effet, on a nos spécificités et éditorialement, on sait mieux en parler, mais on a un discours commun. Oui, non, non, je parlais vraiment sur la technique. Dire, sûr, là, ouais. Quand vous recevez les épisodes, euh, est-ce qu'il ah, y a chaque... une équipe qui est dédiée genre, à ADN ou est-ce que du coup, quand ah, oui. le nouvel épisode euh, de Maggie arrive, bah, du coup c'est chez... chez toi, Sébastien, que c'est bossé. Et quand le nouvel épisode de Naruto ah. arrive, bah, c'est toi qui le reçois chez Canop Video. Non, c'est la, la plateforme commune et l'équipe ouais. de Seb. D'accord, okay. En fait, éditorialement, ce qui est très important, c'est que les équipes éditoriales et marketing aient accès, justement à la plateforme et puisse poster des infos ou mm -hmm. des offres promotionnelles en se concertant évidemment bien avant, sûr. mais ait la même liberté qu'il avait s'il était tout seul pour coller aussi avec ses impératifs en interne parce que quand il se passe un truc sur ADN, forcément on va parler avec le mec du DVD, avec le mec du manga, dans, la, dans chacune bien des bien sociétés sûr. donc il y, y a déjà une, une sauce interne après techniquement c'est centralisé dans mon équipe donc euh, les traducteurs qui travaillaient euh, avec Cana bah, euh, continuent de, de travailler sur leur série Etc. Mais c'est coordonné voilà, depuis, de, depuis okay. le, le CASE Studio. D'accord, d'accord. Donc, nous, on, on s'occupe de, de récupérer le matériel. Auprès de vos ayants droit. On a les ayants droit et on récupère le matériel. Et on a euh, développé une, une plateforme de transfert euh, via. Alors, physiquement, oui, les équipes sont chez CASE. Physiquement, okay. pas toutes les équipes, mais voilà. De toute façon, tout est, en, tout est mis en commun. Oui, oui je me doute voilà, d'être c'est en commun. Oui, utiliser oui, oui, un peu voilà, utiliser tout la tout structure, les comprendre. meilleures structures. Voilà, voilà. Meilleure non, structure mais c'est une mutualisation, voilà. tout, tout simplement, ça. de l'équipe casée qui tient oui, compte oui, des oui. impératifs de de, de voilà. cana et de Kazé. Oui, oui, oui. D'accord. Je, re, je reviens un peu sur la technique. Il y a des restrictions un peu sur l'utilisation d'ADN en termes de pays oui, oui c'est géolocalisé. Ah oui, oui, oui c'est est voilà. géolocalisé. Ben là, on, est, on y est tenu contractuellement. Ouais. Ouais, mais du coup, voilà, c'est ça oui, 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 qu que je qu'on en parle. C'est important, quand même, que... de préciser que ça existe et pourquoi on a obligé est obligé de le faire. Est-ce que, justement, euh, alors là, c'est géolocalisé, mais est-ce qu'on peut penser à un moment donné que la plateforme s'ouvre euh, à l'Espagne, par exemple, l'Italie ou d'autres pays Tout est prêt euh, pour que ce soit possible techniquement, donc il n'y aurait pas d'obstacle. Il faudrait euh, mettre en branle un système de, de sous-titrage qui conserve les, la qualité. Je dirais toutes les Bibles, etc. des séries pour qu'il n'y ait pas d'aberration. Euh, après, ça c'est plus des histoires maintenant euh, de droit. De droit, voilà tout simplement. Et aussi de pays parce qu'il y a des pays qui ont déjà des acteurs historiques qui pourraient tout à fait intégrer et être partie prenante dans l'ADN. Et il y a des pays où il reste tout à faire au niveau euh, Japanim. Donc après, c'est aussi le cas de figure du pays et notre capacité à connaître ce qui se passe sur place et à trouver les bons interlocuteurs. Euh, juste pour, euh, pour revenir en détail sur euh, l'acquisition des droits. Parce que quand on achète une série au Japon, les droits sont morcelés. Donc, vous avez, un, euh, je prends généralement euh, une série comme euh, un Naruto, où vous avez du manga, du DVD, du merchandising, euh, vous avez plein de droits tout au, tout au long de, de la vie du, du produit. Mais que ce soit sur le manga ou que ce soit sur la vidéo, après, c'est localisé. Donc on, a, on achète des droits en France, on achète des droits francophones, on achète des droits euh, européens, Europe, etc. Voilà. voilà. Et euh, sur, sur certains, voilà, c'est pas homogène malheureusement, euh, mais euh, on essaye d'acquérir tout comme Casé des droits européens francophones. Donc c'est-à-dire Suisse, Belgique, Luxembourg quand on peut, euh, et aussi euh, parce que Cana, alors là c'est plus particulier parce que Cana c'est un groupe franco-belge, on choisit les Pays-Bas aussi pour avoir ce type de langue et la France. Alors on essaye de récupérer le Nord-Afrique, c'est toujours un peu difficile, mais en tout cas en ce qui concerne le Québec, là malheureusement c'est de l'autre côté du continent, donc c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Malheureusement. Oui, euh, bah non, bah je rajouterais simplement qu'effectivement, il ne faut pas perdre de vue que les droits, les droits VOD et les droits numériques, c'était quelque chose, il y a encore quelques années, qu'on filait en cadeau Bonus quand on achetait les droits vidéo ou les droits télé. Hein. Là, maintenant, c'est devenu quelque chose qui a une valeur, qui coûte de l'argent, qui coûte même euh, cher, euh, et donc avec euh, la, la nécessité. Alors, euh, par exemple avec des initiatives comme ADN, de trouver un modèle économique derrière, etc. Donc ça, 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 ça devient quelque chose qui rentre en plus dans un standard et sur un modèle, je dirais, de vente de droits comparable à, à l'ancien modèle, comme maintenant aujourd'hui, c'est complètement intégré, que, et, et les droits numériques. La question se pose, quoi. Mais concernant votre bac catalogue, justement, que, euh, parce que là, vous n'avez pas pu négocier à l'époque les droits sur des séries qui sont anciennes, comment vous faites, elles, elles sont diffusées sur ADN ah, C'est des nouveaux contrats c'est des ah nouveaux oui contrats des nouveaux place, contrat hein. pour la plupart. Ouais. Euh, et euh, là où euh, sur les petites séries, je pense que Kazé avait plus de facilité à récupérer euh, euh, du, du droit numérique. Nous, euh, historiquement parlant, euh, Naruto 220 épisodes, Naruto Shibuden, plus de 300 en cours, FairyTale 175. Euh, je compte pas les One Piece parce que c'est Toei Animation France qui gère les droits et nous on n'a que les droits DVD. Euh, donc il n'y a pas de droit VOD encore disponible. Euh, tout ça, euh, on les a jamais eus. D'accord. On les a jamais eu, C'est-à-dire qu'on les a toujours demandés et ça fait 2-3 ans que voilà, ça se met en place, qu'on est obligé de refaire des contrats, etc. Parce qu'ils savent qu'ils sont obligés de le faire de toute façon pour, un, stopper le piratage, il faut avoir l'offre légale en face, deux, montrer qu'ils soient... Qui, 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 il voilà, y, y a une côté, prise de conscience Il y a une prise de conscience mais ils sont très regardants et ils ont très peur aussi parce qu'ils ne contrôlent pas l'image. Ouais. Et ils contrôlent... C'est un système de contrôle. Tant qu'ils n'ont pas la main mise sur ce qu'ils font, ils veulent pas le disposer. Et donc, ils se disent, ouais, c'est un épiphénomène, c'est petit. Alors que c'est euh, ce qui fait la majeure partie euh, de, des fans en France, c'est qu'il y a pu y avoir cette gratuité, cette disponibilité. Mais après, on en reviendra, c'est l'éthique, pour moi, qui doit euh, remonter et pas euh, Bien sûr. et pas juste la piraterie. Ouais. Ouais, et puis, c'est intéressant euh, de toute façon de pouvoir accompagner le projet... Euh du début de son exploitation jusqu'à la fin. Et la première exploitation, elle est d'abord en diffusion VOD. Alors quand on, a un, quand on a un énorme catalogue comme Kazé, qui en plus a une bonne partie des animés qui sont à destination quand même des, des, des super fans et des otaku, euh, c'est évident que pour répondre à la demande du public, il faut quand même qu'on ait une présence au moment où ça sort en première exploitation. On ne peut pas attendre la chronologie des médias et une sortie euh, euh, DVD alors que tout le monde a déjà euh, regardé, re-regardé euh, euh, la série. Ça n'aurait pas de sens et ce, surtout ce ne serait pas du tout en phase avec euh, l'évolution du marché de l'animation. Ce serait un contre-sens. Quoi. Oh, oui, et, euh, et, et très bonne remarque de, de Seb. Merci. Euh, C'est tout à ton honneur. Vous êtes hein. beau aussi. Voilà, ouais. monsieur le chef de stream. Le bisous, alors. Euh, Il va toujours trop loin. On attend les stripteaseuses avant. Euh, hey, tu prépares. Voilà. Euh, non, non, un. non, il y, y a juste une chose, euh, et, et je reviens sur la présentation du, du site en lui-même d'ADN. Euh, C'est le complément. Euh, le complément, euh, la complémentarité des, des deux entités, Cana et, et Kazé. Euh, même si on est concurrent à la base. Euh, euh, Kazé a, a vraiment ouais. le, le, le type même du, du, euh, du fournisseur d'animé euh, pur euh, en, en plus de la grande série mais euh, il, il est très spécialisé sur des, 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 des titres phares euh, de peu d'animation enfin de peu d'épisodes de, d'animation nous on est plutôt le spécialiste des, des gros euh, mastodons et, et, et des gros paquebots euh, avec plus de centaines d'épisodes que tu nous avais expliqué voilà. quand tu étais venu justement à l'époque que vous et... aviez besoin, vous de ce genre de, de série pour pouvoir travailler rentabiliser. Tout à fait. Euh... Donc euh, c'est le meilleur complément et eux aussi même s'ils ont euh, nous on a quelques petites séries qui n'ont pas foncièrement marché mais eux ils ont aussi des grosses séries qui marchent quand même euh, bien relativement bien. Euh, c'est le but du jeu c'est de, de montrer le produit le plus complet et, et de prouver aux Japonais alors pour l'acquisition des droits qu'on est fort et qu'on est puissant et, et surtout euh, qu'on qu met tout en œuvre pour pérenniser le système. Ouais. Qui a une logique, qui a un faisceau, une énergie commune, qui est validée quand même par, euh, par deux des principaux acteurs. Bon voilà, on se retrouve avec une plateforme sur laquelle il y a quand même tous les principaux titres. Bon voilà, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est cohérent et même vu du Japon, euh, ça paraît être le début d'un consensus. Quoi. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est un peu ce qui manquait. Imaginez-vous quelqu'un dans notre pays qui voit le. Le bazar complet euh, sans parler euh, des sites euh, des sites pirates, bon il, il peut Impossible de prendre une décision à un moment enfin, donné. Voilà. Tu ne peux pas prendre un abonnement case Play, un abonnement Gensai, un abonnement Wakanim. Enfin, euh, pas un abonnement, mais payer tes épisodes. Ouais, ouais. Euh, épisode chez Wakanim, etc. Alors, au-delà de l'abonnement, enfin, l'intérêt de regrouper, c'est surtout qu'il y a un endroit où on trouve tout. Ouais, moi, je ça, vois, hein. par exemple, sur la VOD sur ma Freebox, voilà. La VOD classique. C'est la exactement. misère ouais, pour bien trouver sûr. certains films. Ouais. ça. Parce ouais, ouais. bah, que là, savoir qu'il y a une plateforme où on trouve majoritairement tout. Enfin, moi, en tant qu'utilisateur. Je trouve ça bien plus astucieux. Et euh... Ça commence à se faire aussi sur la VOD des classiques. Un hein. Canal Play, c'était déjà le regroupement de, de trois plateformes euh différentes à l'époque. C'est des opérateurs. Oui, voilà. Ouais. C'est pas des éditeurs, mais il y en avait un ou deux qui étaient rattachés, genre je crois qu'il y a au moins Warner deux étaient... ou euh... ouais, je crois, genre Warner et Universal ou je sais plus quoi. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que pour donner le change au niveau des plateformes et des endroits où on trouve des films en, en VOD, ils proposent une éditorialisation, c'est-à-dire si aimes l'action, tu vas là, si aimes... voilà. Maintenant, le truc, c'est que ça, ça marche pour un très grand public qui dit euh, qu'est-ce qu'on regarde ce soir On allume la télé, je regarderais bien un film d'amour et qui va et qui ah, prend le premier voilà. euh, pour un public pointu d'animé. Euh, on peut lui dire, euh, je vais regarder quoi Un dessin animé japonais. <laughs> et puis, il choisit au pif, quoi. Impossible. Il faut qu'on soit plus précis que ça. Et en plus, c'est notre expertise exactement. à nous. C'est ce qui nous différencie euh, de Warner, c'est qu'on est, est, est censé être des experts Bien et sûr. pouvoir différencier euh, un, un, un code-guise d'un Naruto, quoi. En gros. Donc c'est ce qu'on fait, et du coup forcément, euh, en ouais. tant qu'amateur d'anime, euh, on se retrouve avec une éditorialisation qui guide davantage vers ce qu'on est susceptible d'aimer, plutôt qu'arriver sur un portail manga au sens générique, où il euh, y aurait tout mélangé, y compris des trucs pas japonais, quoi, par exemple. Je reviens moi sur la, sur la technique un peu. Euh, pourquoi vous avez fait le, le choix de, de rester sur de, justement, un abonnement Plutôt, enfin, et de ne pas permettre le téléchargement. C'est vrai que sur, le, sur, sur, sur votre Facebook, on voit effectivement des gens qui viennent dire, ouais, mais pourquoi on ne peut pas télécharger C'est quand même plus pratique, etc. Euh... Ouais, J'entends les questions qui fâchent. Oh, non, non, mais c'est bien. De euh, toute façon, il complétera, euh, Sébastien, mais je prends la main juste euh, pour remettre euh, le contexte du contrat, mm -hmm. euh, parce que suivant certaines séries, euh, on ne peut pas se permettre euh, voilà, de, de laisser le téléchargement pour l'instant. Hein, c'est toujours en cours de négociation. Ça ne veut pas dire que c'est arrêté, ça veut pas dire que c'est fini. Mais euh, sur certaines grosses séries ou sur certaines séries qu'on communique, euh, la plupart du temps, quand ça dépasse 26-52 épisodes, c'est très difficile d'avoir du DTO. Et quand on a du DTO, ben, euh, y, les, les ayants droit nous demandent tellement de règles autour. Pour s'assurer que le fichier pour va pas se le retrouver, le fichier, voilà. Et encore une fois, c'est euh, un système de pouvoir et de contrôle. Donc là, on est, on est bloqué sur certaines séries. Quand c'est des petites séries de 12 épisodes, où voilà, c'est des petits éditeurs, où c'est des séries qui ne sont pas forcément reliées à des mangas ou euh, à des light novels, mm -hmm. là, c'est plus facile à négocier. Mais euh, en général, voilà, ça rentre. Encore Correct. une fois, c'est dis un discours de longue haleine. Non, mais parce que je veux dire, l'attaque des Titans, par exemple, c'est pas, on peut pas, tu vas considérer ça, ça, ça comme lancé, petit, Ça a été euh... lancé en même temps. Ouais. C'est-à-dire que le, le Pika euh, elle a lancé le manga quasiment en même temps. Ah, tu veux dire en France Non, parce que je veux dire oui, au Japon, c'est quand même un aussi. gros truc, quoi, tu aussi. vois, que euh, garde bien le contrôle dessus, mais c'est pas une petite série, quoi. Et c'est pas un petit éditeur, quoi. Ouais. En fait, euh, effectivement, non, mais bon, 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 en addition de ce que vient de dire Pascal, c'est vrai qu'on euh, se retrouve avec euh, la même frilosité sur ces histoires de DTO, de Direct to Own, donc hein, le fait d'avoir le fichier à lui sur son ordi et pas de le regarder en streaming. Euh, la même frilosité qu'on avait au début de la diffusion en streaming au niveau des ayants droit qui sont euh, frileux, euh, notamment, euh, bah, évidemment, à cause du piratage. Bien le sûr. comportement du pirate euh, au Japon est complètement différent de, de celui en France et ils sont pas y comprennent. Enfin, C'est difficile d'intégrer que, que les séries sont exploitées illégalement de la part d'un ayant droit qui en plus est, est, est loin géographiquement et loin culturellement, quoi, quand même. Donc du coup, euh, on est obligé de faire un petit peu la, la on va dire le. Le joint est d'expliquer, d'expliquer. Et à force, ça a débloqué l'histoire du streaming. Vous parliez tout à l'heure Disneyo. Bah ben voilà, oui, regardez, c'est bien le format OMF que vous voulez. Hop, ça permet de débloquer des choses. Et on avance comme ça. Donc là, on parle évidemment. Alors bon, sans rentrer dans toutes les, les négociations en cours, on parle du DTO, on parle de tout, etc. Et on, on confronte ça à la réalité du marché, à la, aux à la rentabilité aussi des épisodes, parce que le marché, il n'est pas encore vraiment créé. Euh, bah comme je disais, ils luttent avec aussi euh, des contenus illégaux, donc bon, etc. Il faut, qu il faut que euh, la confiance soit regagnée pour que les animés puissent être disponibles sous toutes leurs formes. Mais ouais. disons que pour moi, c'est une frilosité qui n'est pas bizarre, qui est, qui est presque compréhensible euh, quand on regarde euh, comment c'est encore encore trop le bazar. Euh, donc certaine pour manière. toi, c'est temporaire en fait. Pour moi, bah, c'est une étape transitoire. Pour l'instant, il y a ça, et, et vous avez bon espoir de pouvoir débloquer d'autres choses une fois que vous aurez fait vos preuves. Ah, mais moi, euh, je comprends votre discours. J'ai toujours bon espoir. Donc oui, <laughs> euh, c'est comme ça qu'on a débloqué toutes les Oui, non, mais oui. Moi, pour moi, je suis, je suis optimiste. Euh, maintenant, euh... l'espoir ouais. fait vivre. Hein, donc ça, ouais. bien. Ouais, ouais, ouais. Euh, je ça non, Mais il y a aussi, il a aussi. Alors, excusez-moi hein, d'être euh, corporate, mais il y a aussi une histoire de coût parce ouais. que tout ça, c'est pas les endroits vont nous demander voilà, des comptes d'un côté pour mm -hmm. vérifier que tout se passe bien mais eux aussi ils vont nous demander voilà, à, à ce qu'on paye une, une, une tranche en plus parce que le streaming c'est une tranche le DTO c'est une tranche et voilà et ça va se rajouter ouais. donc euh... justement sur le Facebook vous oui. avez mis un, un post qui était assez intéressant où vous détaillez euh, le, la ventilation des oui. coûts sur un abonnement oui. ADN. Oui, alors, vous la connaissez peut-être ou je la, je la dis euh, Je moi peux je la dire connais. on la connaît, moi mais je la connais, vas -y, vas -y. moi je suis au top. Donc sur un abonnement, ouais. euh, alors il y a combien de TVA déjà pour commencer 19,6 19 voilà. bientôt 20 euh, en janvier 2014. Absolument. Les frais de fonctionnement du site, taxes, salaires, bandes passantes, frais de transaction, des 25%. 25%. Voilà. Les royalties versées au studio 30%. 30%. Et du coup, la part qui vous revient, là, la marge 25%. À 25% voilà. Ce voilà. qui. Voilà, parce que, voilà, euh, ce que voilà. y a une marge qui n'est pas une marge extraordinaire. Voilà, sans être ridicule, c'est pas. Un libraire, c'est 35%. Voilà, ouais, c'est ce que je veux dire, c'est pas une marge de, de, de milliardaire. quoi. C'est voilà. pas une marge ridicule, mais ah, c'est. pas de, une marge de Ah, non, 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 mais c'est même plus. Euh, L'idée pour le moment, c'est pas même pas de se focaliser sur cette marge-là. C'est comment cette marge-là, elle va pouvoir être réinvestie. Pour améliorer l'offre et euh, comment on va euh, accompagner l'évolution du marché vers une nouvelle euh, situation. On est quand même en train de parler de l'avenir de l'animé. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas euh, juste l'histoire. Ça va, bi c'est bien plus grand que l'histoire d'ADN, quoi. Je veux dire, c'est euh, c'est comment les gens vont pouvoir euh, regarder de l'animé et ce qu'on qu vraiment le pari, c'est que il se passe pas la même chose, par exemple, qu'avec le disque ou qu'avec euh, le, le MP3 et qu'on se retrouve avec quelque chose qui n'a plus de valeur et des œuvres qui ne valent plus rien pour la génération d'après. Aujourd'hui, une chanson, ça vaut pas de l'argent. C'est la Pourtant, ça coûte de l'argent et c'est quand même un travail, et une activité. Euh, on a réussi à déprécier quand même avec des vides juridiques et avec un grand, euh, enfin, quelque chose qui est de l'ordre de, de, de l'œuvre. C'est quand même des œuvres hein, les, les épisodes qu'on fait. Je veux dire, il y a des, ça coûte des centaines de milliers d'euros par épisode à produire. Et euh, au final, la rentabilité, elle ne cesse de dégringoler. Et là, on, on est dans une situation quand même d'urgence. Euh, moi, je suis un passionné d'anime. J'ai envie que les animés continuent d'être produits. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment euh, l'objectif numéro un, malgré tout, au-delà des, des entreprises. Quoi. Même. On va utiliser ça en conclusion de cette partie. On va faire une pause, une pause musicale parce que ça fait 35 minutes déjà qu'on cause. Et ah, on va reprendre le débat. Tu pourras okay. reprendre le micro directement en revenant, Pascal. Et puis, euh, puis j'ai encore euh, pas mal de questions. Donc là euh, on va enchaîner sur euh, l'opening japonais de Beck. Voilà. Ah, Et excellent rev... choix. Hein, oui. ouais, bah, c'est le tien en tout cas. Ah même bah temps. oui. <rire> <rire> Allez à tout de suite. I never do before I'm then I knock the dust. Into the world the pop I'm gonna get a chance. I thought a chance is far from me. I was made to eat in America. I was made to eat in America. I was made to eat in America. I was made to hit in America, I was made to hit in America. 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 I Euh, après cette euh, petite pause sur Mongolian euh, Chop, c'est ça, je sais plus. Avec Mongolian Chop Squad, c'est ça. Shop Excellent Squad. choix. Voilà, merci. Euh, oui, je voulais finir euh, euh, par rapport à la, à la question euh, euh, sur euh, sur l'historique en fait. C'est-à-dire que Genzai, ça faisait un an et demi que c'était sorti. Euh, Kazeplay, un peu plus longtemps encore, fait euh, oui. 3 ans. ans, ouais, à, ouais. à peu près. Ouais. Et même en cet espace, même avec cet espace. Même avec ce temps passé à essayer d'éduquer les gens, euh, on n'a pas réussi à, à, à formaliser ou, ou, ou à montrer que voilà euh, l'outil, le, 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 l'outil mis en place par Cana, l'outil mis en place par Casé euh, n'a pas transformé euh, comme un iTunes ou comme un comme un, comme hein. un autre éditeur. Euh, pour reprendre l'exemple de Tofu, euh, du fait que sur son sa, sa freebox, ben, l'offre VOD était tellement morcelée, hein, copyrightée, hein, mais cool. bon, je l'ai dit. Cool. Hein. À euh, partir maintenant. Merci. Euh, comme comme elle était morcelée, voilà, ça a mis du temps à comprendre. Bien Avec sûr. ADN, voilà, on veut montrer que c'est ça qui doit marcher. Euh, on va on va se montrer présomptueux Seb. Euh, je le lâche et puis on verra ce que ça donnera. Mais si on devient l'iTunes de l'animé, euh, voilà, c'est le but. D'accord. Ok. D'accord. <laughs> bien. C'est ambitieux. C'est bien. Et ben bah moi je vous on le souhaite. Pas je pas vous le souhaite. Euh, J'avais juste une question à vous poser. J'aurais aimé savoir si vous aviez oui. des titres vintage dans votre catalogue. Des titres vintage, ouais, on doit en avoir. Il n'y a Bomber non X, non euh, Il y a, <laughs> y a Bomber X Par voilà. exemple ah bah là. Il y a exactement Bomber X. Il est sur ADN du coup. Euh, ouais, on doit avoir Heidi. Heidi, euh... Gigi, Gigi T'as pas Alors, Gigi euh, Booba... Gigi, il y a Gigi, oui. Oh, parce que... est ouais, ouais, a... Il est sur ADN aussi, parce que je savais euh... que vous aviez sorti le DVD, mais du coup, euh, il est sur ADN ah, est On cool, a fait là. les deux. C'est Cross Media. <rire> <rire> euh, ah, coup... Gigi est devenu Cross Media aujourd'hui. Non, ah, mais je vais remater un petit épisode là, pour faire voilà. plaisir. Le premier et le dernier, tiens. <rire> Allez, <rire> Attention, le dernier, euh, ah, il est difficile. Hein. Ouais. Ouais, ouais, Donc, bon, okay. nous, nous, on a du mid-vintage. C'est du charriage quoi, parce qu'on est en 2013 et que en fait, euh, Naruto est sorti ouais, est en 2006. Dire, hein. Donc euh, voilà, on a du Naruto. Euh, C'est ce ce pour exister. Quoi. Je suis désolé d'avoir répondu à cette question comme mais ça. Mais t'as pas des plans là sur Non, sur mais euh, voilà, j'aimerais bien. Euh, J'ai retrouvé une vieille cassette vidéo de Pôle Position. Donc on va aller voir Namco Bandai euh, s'ils ne sont pas. Non, euh, Hydro Namco, Namco voilà, exactement. Ah, ouais. non, on va demander à, ah, à ah, Namco s'ils ont les droits encore. C'est très mortel. Puis ça, ça doit pas être très très cher, j'espère, Pôle Position. Pôle Position, 13 épisodes oui puis même je... non mais pourtant... tu vois le droit à l'épisode j'imagine que c'est pas une Jean série Chalopin, sur laquelle on Jean Chalopin il va falloir demander ouais, euh... ah, pour la VFA, ah, oui oui, ouais. oui. non mais parce que j'ai entendu dire que ouais ces derniers temps là avec justement l'explosion en de Jean certaines Jean Chalopin Jean bah oui oui tu entends Chalopin d'accord donc oui j'ai entendu dire que ces derniers temps avec la multiplication des acteurs sur justement le marché de la VOD SVOD et, et tout ça, le, le prix à l'épisode euh, avait tendance un peu à, à s'enflammer. Alors que ces derniers temps, avec la crise du DVD, euh, le, le marché de l'animé, les droits étaient redescendus à des niveaux plus raisonnables. Et a priori, là, ces derniers temps, avec euh, bah, bah, c'est remonté parce que c'est des offres globales. Hein. C'est remonté ouais. parce que voilà, on, re, on regroupe plusieurs tranches de, de contrats. Ouais. Euh, c'est juste ça, mais c'est en effet encore, euh, c'est pas, c'est pas, pas très, très abordable. On, on euh... peut parler chiffres. Ça, vous pouvez donner oh. un, un prix moyen, genre combien ça coûte un épisode d'animé. Et euh, après, les gens ils multiplient par 13. Ou par 313 quand c'est Naruto. Euh, c'est compliqué parce que en fait tout, tout c'est pas c'est même un ordre d'idée je peux vous le donner le, ouais. le, le souci ça va être les droits associés. Ouais. C'est à dire que euh, c'est très cher d'acheter un épisode euh, où vous avez déjà le man... et, et c'est un peu bête mais c'est pas parce qu'on achète plus de tranches que ça va devenir moins cher. Malheureusement, mais un titre où on a déjà le manga, où on achète l'anime, où on a le merchandising en plus et le droit, euh, ça, explose. Euh, ouais. ça explose. Et malheureusement, à ça, il va falloir ajouter les traductions, les coûts de, de, de transformation bien des sûr, épisodes. Euh... Sans une vente télé, et ça je peux vous le dire, sans une vente télé, ben, c'est difficile de rentabiliser une série. On parle même pas du doublage. Oui, bien sûr. En fait, euh, oui, bon, en gros, ça se compte en milliers d'euros, quoi, par épisode. De toute façon, mmh. euh, après, euh, à partir de là, euh, c'est un investissement. C'est-à-dire que l'appréciation du vendeur euh, est rarement euh, mise en face de la réalité du marché. Voilà. Donc, ça veut dire que, ouais, bah voilà. Non, mais c'est vrai. On fait un pari. Euh, pourquoi parce que déjà c'est l'activité de la société et que tout le monde aime ça parce que bon je veux dire euh, concrètement euh, l'idée c'est euh, d'être en phase avec les, 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 nouvelles, les nouvelles plateformes mais aussi de satisfaire à l'offre DVD Blu-ray et effectivement euh, à essayer d'avoir une vente télé pour avoir comme ça une, une globalité on peut pas dire que les fenêtres de diffusion sur les grandes chaînes artiennes pour la Japanime se soient vraiment élargies. Vraiment. Donc, voilà. Donc, au final, on se retrouve avec euh, <coughs> des nouveaux acteurs bah, comme G1 ou comme d'autres qui euh, donnent l'opportunité justement de, de diffuser. Après, euh, il, faut, euh, il faut voir que on a tous ces coups fixes à partir du moment où on traite une série. Après, euh, on se retrouve avec la, le choix de la doubler ou non. Et là, du coup, bah, on va doubler. Évidemment, les séries pour enfants, euh, Beyblade euh, Bakugan, on va pas le diffuser en VOST, euh, tout simplement pour des problèmes de lecture des, des enfants. Euh, après, euh, les séries grand public, et bah, voilà, à partir du moment où on se dit bon, voilà, on va toucher un large public, on sait que massivement les gens vont regarder en doublé. Nous, par exemple, on a beaucoup de nos fans qui disent ouais, non, mettez absolument la VOST sur les plateformes comme SFR, euh, Bouygues, etc. Sauf qu'à 90%, c'est le doublé qui est acheté. Quoi. Enfin voilà, je veux dire concrètement, alors on le fait quand bien même hein, quand on peut et on, on néglige pas du tout cette partie du public sur les offres euh, à très large public, mais quand même on voit bien que les gens se dirigent plutôt vers le doublage. Après, euh, sur des plateformes comme ADN, bah, ça permet de proposer toutes les séries avec un sous-titrage de qualité. Dans un format original que tout qui toute façon euh, est préféré par les par, par le, le cœur de cible hein, comme on dit en marketing, mais par contre euh, tu aurais jamais été regardé par le grand public ou à quelques exceptions près euh, pour différentes raisons. Donc voilà, donc faut, faut euh, s'engager en énergie, mais y compris euh, financièrement, il y a un pari à faire au niveau de l'achat quoi. Est-ce que est-ce que la VF est dispo sur ADN pour les séries déjà doublées Bien entendu. D'accord. Donc ouais, Naruto, par exemple, je peux le regarder, euh, oui, alors pas alors, les tout derniers non, non, épisodes, mais... j'imagine. Non, bien sûr, mais, mais en fait, euh, euh, c'est en termes de traitement. Puisqu'il y a beaucoup d'épisodes par, par saison, Oui, et comme il y a beaucoup de choses à traiter, beaucoup de back ouais. catalogues à rentrer dans la matrice, voilà, petit à petit, euh, si elle n'est pas disponible tout de suite. C'est que ça va la voilà, Mais venir. du coup, Naruto, ouais, je peux choisir de le regarder en VF avec l'Ordre Tourbillonnante ou en anglais avec le. bouton de dans la scène Shulika. Euh, voilà, et, et, voilà, et en 720p ou 480p. Et voilà, bientôt en 1080p. Euh, donc, on suivant on espère, les séries, voilà. suivant bien sûr non, la résolution séries. Parce qu'il y a certaines séries où le 1080p n'est pas disponible. Oui, voilà. voilà. Au Japon, tu veux dire Voilà, ça aussi. D'accord. Oui, bien okay. sûr. Donc, euh, encore une fois, euh, sur, sur les coûts, et, et, et je terminerai là-dessus, euh, le doublage est important, la vente télé, c'est important. Et même, euh, voilà, on ne fait pas des milliards. <laughs> on a déjà pas eu encore. des. C'est ce que tu voilà. me disais déjà l'année dernière, donc ça, ça voilà. n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Euh, c'est parce qu'on a d'autres métiers à côté, uh -huh. voilà, et qu'on fait partie d'un groupe, que ça permet d'exister. Oui, c'est une offre cohérente, en fait, voilà. Toi, qui vient. Et. et... On démarre euh, du la première fenêtre d'exposition euh, avec J1, après avec ADN, et après euh, si possible. Euh, le but du jeu, c'était avec J1, quand on met une nouvelle série, c'est de montrer le potentiel. aussi. C'est ça qui a séduit les Japonais, c'est de dire voilà, euh, on re-rentre dans les télés, on revient sur une chaîne, on remontre de l'animation. Si une chaîne est intéressée, voilà, ça plaît. Et parce que c'est pas en VF tout de suite, parce que c'est une VOST, ils peuvent. Voilà, euh, voir le, le potentiel et, et récupérer la série et pouvoir la mettre en français. C'est aussi simple que ça. Game One n'a euh, pas vocation à mettre beaucoup de VOST, ils mettent beaucoup de VF. Ouais. Et Game One a fait, euh, a fait son succès parce qu'ils ont diffusé du Bleach, ouais. parce qu'ils ont diffusé du Naruto, euh, voilà, parce qu'ils continuent à diffuser euh, des, des bonnes choses. Et, et c'est du VF donc Et Dragon est... Ball, c'est du VF la Du coup, l'idée, c'est un peu genre euh, de, de foutre 10 séries sur Jawan, et puis quand il y en a une qui plaît particulièrement à Game One, il a, euh, Game One, il a double et il la fout dessus, par exemple. Il y a moi ou un autre ou un C'est euh, euh, voilà, c'est une idée générale, c'est ça Bien fait sûr. partie, ça fait partie de toute la, 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 la voilà toute la structure qu'on a développée avec euh, avec Seb, en tout cas avec Kaze, entre Kazé et Kana pour euh, ramener à nouveau. Voilà, c'est pour, pour euh, favoriser la pérennité de l'animation japonaise. C'est pour que on puisse financer les autres les, les, les autres productions qui sont en cours là-bas. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, tu... Ouais, de toute façon, ouais, et puis aussi ça sert de curseur, c'est-à-dire que à l'échelle d'un site internet, si on voit que massivement il y a un engouement sur une série bah, pourquoi pas proposer ou poser la question bah est-ce que vous aimeriez euh, en DVD, si ouais. ou ça ou voir la suite ou n'importe quoi enfin au moins il euh, y a un échange qui se crée aussi autour de ces autour de ces diffusions là parce qu'on a quand même euh, affaire à enfin notre communauté en tout cas bah, pour Canada je pense c'est pareil est quand même très actif sur Internet mmh. alors des fait. fois pour dire quand ils sont pas contents mais des fois aussi pour nous dire quand ils sont contents ou qu'ils veulent un truc quoi donc le, le la, bon on a aussi des moyens de de, de dialoguer via ces diffusions euh, de okay. séries quoi je voudrais qu'on reste sur la télévision pour aborder euh, le point négatif entre guillemets de, de ce partenaire il y a plein de euh, points euh, positifs depuis tout à l'heure qui sont bon abordés mais on mais arrive à la à fin de cette émission <rire> merci c'est 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 le mais parce qu'effectivement c'est c'est super bien 10 séries en V en VOST du coup entre vous et les quelques autres acteurs qu'il y a ici c'est mortel parce que c'est la première saison c'est la première rentrée où on a à peu près on a toutes les nouvelles séries euh, japonaise, on n'a pas forcément toutes les saisons 2, saison 3, saison 7, ouais. mais on a euh, ouais, à peu près toutes les nouvelles, euh, toutes les nouveautés qui ont été lancées au Japon cet euh, automne. Elles sont en France d'une manière ou d'une autre, oui. c'est plutôt pas mal. Oui. À part peut-être euh, la série de, de Gunplat, l'espèce de Beyblade euh, matinée de Gundam. C'est peut-être la seule qu'on n'a pas. Mais bref, malgré ça, il y a un, un contre-coup. -cou hein <laughs> non, 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 non mais... c'est le truc la Gundam, je ne sais pas quoi, mais où c'est ah pas un Gundam, c'est des euh... gamins qui font des tournois de gunpla, euh, voilà, non, de mais... maquettes Gundam, voilà. Non, mais, mais t'en fais pas. Euh, quand Elle on... arrive. Non, mais t'en fais pas, je te l'achèterai en DVD. <laughs> c'est gentil. <laughs> bref, c'est dans la collaboration avec J1. Donc, on est bien d'accord qu'on parlait tout à l'heure de l'intérêt que ça, de de faire tout ça pour ouais. proposer une offre légale au... face au piratage. Mais le piratage, du coup, ça débarque en J plus et sur ADN, on est en J14. C'est J battu pour être en J14. <laughs> donc euh... Euh, voilà, est-ce qu'on peut un peu parler de ça oui. Je sais bien que vous l'avez expliqué non, 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 euh, on... sur votre Facebook, mais voilà, revenons on... un peu sur. Euh... Bah, en, fait, voilà. non, mais en fait, effectivement, euh, on savait qu'il y avait, euh, qu y avait euh, ce point-là qui n'était forcément pas le meilleur argument de vente euh, au lancement du site. Les gens, euh, d'ailleurs, en ont parlé il y a eu un dialogue qui s'est créé autour de ça. Donc bon, voilà. Euh, après. Euh, est-ce qu'on faut... peut commencer déjà à expliquer vraiment la, la, ouais. la, la logique Alors, pour laquelle vous êtes obligé de faire du voilà, gq la, la logique, elle est claire. C'est-à-dire que pour intégrer dans l'opération et pour supporter les coûts liés aux acquisitions et au travail sur la série, pour les transformer en VOST et pour les rendre euh, disponibles sur Internet... On a besoin d'associer euh, plusieurs acteurs qui, qui mettent des sous-sous, en gros. Quoi. Donc la chaîne, elle, elle a dit OK, s'il y a euh, un J14, et on s'est battu pendant des années pour qu'il y ait plus de diffusion télévisuelle des animés. Donc il euh, y a une vraie possibilité, on y va. Quoi, parce qu'il faut prendre des. Enfin, on ne peut pas rester dans. Sinon, ben, on, on reste dans l'immobilité aussi. quoi. Bien sûr. Donc là, ben, ça permet qu'il y ait euh, plus de place faite au, à la Japanime sur une nouvelle initiative qui est G1. Et, euh, et donc ce délai, hein, ce qu'on appelle une holdback euh, de 14 jours, bah, euh, du coup, euh, voilà, était partie intégrante du deal. Voilà, c'est un terme contractuel. Le holdback est, est un terme par rapport à d'autres euh, types de produits. C'est-à-dire que l'animation japonaise est rentrée euh, dans un contrat type chaîne. Mm -hmm. Et ce n'est pas parce que c'est de l'animation japonaise qui doit déroger à la règle des 14 jours sur une première partie alors bien sûr on essaye forcément de la, de la, réduire. De la réduire mais c'est pas ça qui va, qui va amener euh, je, je remets sur le, le, le tapis c'est 12 séries ADN en direct du Japon sur deux chaînes mmh. hein donc il y a J1 principalement et AB mmh. euh, mais euh... quel, les deux séries chez AB déjà c'est Copélion c'est ça Beyond the Boundary d'accord donc 12 séries déjà euh, en, di en disponibilité euh, il y en a, ça ne s'est jamais fait. Sur une ouais. chaîne télé, ça ne s'est jamais fait. Donc, euh, avoir un, un J1 sur une télé, déjà, c'est magnifique. Euh, ADN est, est un, un complément de la chaîne. Nous, c'est notre cœur de métier, c'est notre métier à nous. On a choisi J1 parce que ça se crée. On a choisi AB aussi euh, parce qu'il voilà, fallait plusieurs, plusieurs acteurs sur le marché. Maintenant, euh, les, nos désirs, c'est sûr que ça devrait être du J1 partout mais euh, J1 a une légitimité il nous aide euh, de par le groupe Viacom à asseoir notre euh, notre image vis-à-vis -vis du Japon mm. c'est-à-dire que oui, euh, Kana c'est le groupe d'Argo oui, euh, Kaze c'est euh, Viz Shueisha, euh, mais quand on arrive au Japon pour récupérer des titres on, devient, on vient devant un vendeur lambda, il dit la télé, vous allez faire euh, télé vous allez faire DVD euh, non, pas de télé, ah bah donc ça va vous coûter plus cher parce qu'il faut que je récupère au moins ma marge quand j'achète, quand vous, je vous vends des, des, des titres. Et là, on vient avec le groupe Viacom, oui, télé, mais donc euh, plus de séries. Et puis télé, dans un groupe connu au Japon, du coup, c'est pas... Euh... Oui, MTV ouais. Japon, ça existe bien sûr là-bas. Oui, et puis voir ces séries-là, euh, franchement... Euh, je... Ça fait quand même des dizaines d'années qu'on n'a pas vu euh, des séries comme ça diffusées à la télé. Là, en plus, on J plus 1, Enfin, je veux dire, c'est un, un événement télévisuel d'un côté qui peut décevoir effectivement par les 14 jours les utilisateurs d'internet. Oui, parce euh... que justement, je vais pas faire mon troll. Je vais je faire un peu mon troll, je veux dire, vu qu'elle n'est pas là. Mais est-ce que la télé, c'est pas un peu fini Mais est-ce que c'est pas internet ah maintenant l'avenir Non, non. Alors, non, enfin, non mais la, pouvons... dernière, euh, la dernière étude en date ouais. même si tu es devant ton ordi même si tu es devant ta tablette la télé elle allumée euh, euh, sais... en fait. ouais voilà c est, tu la laisses allumer en bruit de fond tu la ouais, laisses en fond sonore c'est ouais. un fond et puis même si tu as internet même une tablette de plus en plus de programmes font de l'interactivité tu te retrouves avec des programmes TF1 France 2 ou même M6, M6 ouais. avec euh, ta tablette pour participer au truc euh, tu as du plus tu as raté ton épisode tu vas le regarder sur internet L'internet est, est un complément d'information, un complément d'entertainment tout autant que la télé. Mais la télé reste quand même numéro un parce que tu regardes pas ton match de football sur internet. Tu le regardes Pourquoi à la télé. Pas le choix ouais, voilà. ouais, ouais, non, non, la télé c'est la base quand même. Ouais. C'est la base. C'est la, la base. Et la télé a su. <coughs> euh, on paye une redevance télé à l'État français. Euh, on, on a un abonnement. Euh, on a un abonnement à un opérateur Triple Play. Bon, peu importe. Dans lequel le, le surcoût de cette télé est inclus, c'est-à-dire que là où, alors que sur Internet, on a quand même eu une espèce de comment dire de, de la gratuité d'habitude, mais enfin c'est pas vraiment de la gratuité parce que c'est inclus dans l'abonnement. Bon, mais le truc, c'est qu'au final, une impression de gratuité qu'ont les gens, qui fait que euh, c'est difficile aujourd'hui de considérer Internet autrement que comme un complément, effectivement, d'un point de vue strictement commercial. Là, on parle après comme moyen de diffusion, c'est formidable. Mais pour le moment, effectivement, on se retrouve plutôt à essayer de, de faire exister les œuvres animées sur plusieurs supports. Quoi. Le, le home vidéo, donc DVD Blu-ray, mais la, la télé. Et euh, loin derrière, pour le moment, il y a le, il y a le marché internet, mais il ne faut pas le déconsidérer parce que déjà, c'est là qu'il y a les fans de la première heure et les mecs qui vont supporter. Euh, euh, en premier lieu, les séries, et surtout, c'est là où c'est le plus facile de rendre quelque chose accessible au plus grand nombre. Bon, voilà, c'est un super support, quoi. Après, maintenant, il faut quand même le structurer plus pour justement qu'il soit plus un complément, quoi. Alors, du coup, comment est-ce que. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui. Tiens, je vais me prendre mon exemple, même si je ne suis pas exactement comme ça, je correspond au même truc, c'est que moi, je n'ai pas, pas CanalSat. Donc, du coup, je ne peux pas consulter Jawan Donc, si je paye 9,99 euros par mois ou même 6,99 euros par mois. Euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour me consoler, pour me dire non mais si, fais-le quand même, c'est vachement bien euh, quel intérêt, entre guillemets, j'ai à le faire sachant que ouais je suis obligé d'attendre 14 jours alors que, effectivement, par des moyens moins recommandables, euh, bah, je peux avoir mon épisode dans J plus 1 euh, euh, alors, très rapidement euh, enfin, voilà. est-ce que euh, voilà, c'est est un, un seul endroit pour aller chercher ton, ton épisode, la facilité d'accès, tu vas à un seul point tu rentres un code rentre dans, dans, ta, dans ta structure, tu as un catalogue, tu recherches ce que tu veux. Sur les directs, directs Japon, tu as 14 jours. 14 jours, euh, Le, l'épisode de Naruto sort le jeudi. C'est très rare quand tout le monde le regarde le jeudi soir. La plupart du temps, tu vas le regarder le vendredi soir ou le week-end. Euh, tu as passé déjà 4-5 jours. Euh, deux semaines de plus, ça va te permettre de, un, regarder cet épisode-là, d'aller voir les épisodes d'avant te prendre la tête d'aller chercher un autre lien etc. D'avoir l'assurance que les noms des personnages, que les nomenclatures correspondent exactement à ce que tu es en train de lire parallèlement en manga. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos traducteurs euh, qui travaillent sur ces, ces produits-là, parce que j'appelle ça un produit mais ce n'est pas forcément ça, mais sur l'animation, sont des personnes qui, qui, connaissent, qui connaissent le titre et qui travaillent dessus et qui le traduisent. Donc forcément, on a une qualité de traduction. Euh, après, c'est l'amour de ta série. Est-ce que tu veux continuer à, à, à la voir mourir Et très bien, tu récupères tes épisodes jusqu'à ce temps que ça s'arrête. Quand ça va s'arrêter, tu retrouveras plus rien. Et le meilleur exemple, c'est. Oui, on a 10 séries, 12 séries. Le meilleur exemple, c'est de plus en plus de séries euh, qui sortent. Il euh, y en a 40 par saison à peu près. Il hein. y a 40 séries par saison. Avant, il y en avait 60. Mais là, il y a 40 séries et la plupart euh, des séries font 12 épisodes. Ouais, tout à fait. Bah, euh, très honnêtement, euh, on en a parlé brièvement tout à l'heure, c'est évident qu'aujourd'hui, euh, euh, avant de commencer la production d'une série, c'est des questions qui se posent. Est-ce que. Bon, alors attends, parce que l'histoire. Le, le, le piratage a fait que ça a rendu, ça a rendu les producteurs frileux, euh, notamment pour euh, bah, ceux qui produisent les séries qui ont exactement le, le look à se faire pirater en premier. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a moins de production. Donc ça fait baisser euh, la création. Hein, euh, euh, du coup, euh, c'est vrai. Après, euh, effectivement, où on en est sur ADN, c'est qu'il y a ce délai de 14 jours. Mais euh, il y a ce délai de 14 jours qui est euh, déjà une énorme évolution par rapport à il y a, il y a 10 ans où euh, il y avait un délai de. Des fois, ça sortait jamais, en gros. Quoi. Bien sûr. Donc, on, bien est, sûr. on est sur une avancée. Et euh, nous, notre objectif, c'est quand même de réduire, évidemment, ces 14 jours dans la mesure du possible. Mais on est bien obligé d'intégrer tous les acteurs. Ce serait même pas juste, à la limite, de pas tenir des des impératifs des uns et des autres sur un bien marché bien sûr et à partir du moment où ils financent euh, Jawan c'est normal qu'ils soient consultés un moment, enfin qu'ils aient aussi leur intérêt à le faire quoi. ouais mais après ouais, ouais mais, euh, mais au-delà de ça il y a quand même euh, l'esprit communautaire et participatif autour de l'animation qui relativise quand même ces 14 jours parce que on sait bien qu'en ayant une activité illégale euh, bon, alors déjà, euh, on peut euh, aussi enrichir euh, des mafieux dans certains cas, et ou alors, bon, euh, voilà, euh, on a simplement affaire à des fans dans d'autres cas qui sous-titrent. Euh, tous ces gens-là euh, participent quand même, euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, et eh bien voilà, elle arrête certaines productions. Donc après, c'est pas forcément euh, l'idée d'aller taper sur des ados qui sous titrent des séries dans leur chambre, quoi. Évidemment. Ah, ah, bon, Par contre, hein, ce que, ouais. ce que le principal attrait, pour ouais. moi, hein, je ouais. trouve, le débat on l'a sur le piratage, ouais. on l'a régulièrement sur le ouais. podcast. Moi, je trouve que là, avec votre offre, le principal intérêt, c'est euh, simple et c'est efficace. C'est-à-dire que ouais. là où il va falloir aller chercher euh, euh, des épisodes, le temps de les télécharger, peut-être de rajouter des sous-titres, peut-être d'avoir des sous-titres de pas bonne qualité et de devoir ouais. y tourner, etc. Mais là, je crois que c'est la première fois qu'on a un produit où on clique, on se connecte, on a tout accessible. Donc après les 14 jours, euh, oui, c'est peut-être un, un défaut pour l'instant. Moi, je trouve que sur la, euh, le côté hyper accessible, de la chose, c'est la première fois qu'il y a une offre comme ça. et ouais. aussi pléthorique. On en parlait tout à l'heure euh, ouais, en ouais. off. Et jusqu'à présent, je trouvais que toutes les offres étaient plutôt frileuses et moi, ne me poussais pas à aller dans ce sens-là, très clairement. Chaque fois qu'on a eu le débat... Euh, moi, ça me semblait des arguments qui étaient un peu pipotés quand même. Je pense que c'est la première fois où on a des acteurs qui proposent quelque chose qui permet de. Voilà, quoi. En termes d'accessibilité, c'est la première fois qu'il y a quelque chose comme ça. Et après, sur les 14 jours, comme il y a je ne sais pas combien de séries, 170, c'est ça Voilà, le temps de faire le tour de celle-ci. Il y a 4000 épisodes, donc ouais. Ça me paraît pas mal. Il faut rééduquer nos fans. Encore une fois, les fans, les purs fans hardcore. Pas de problème, euh, ils peuvent trouver ce qu'ils veulent, ils veulent le traduire eux-mêmes très bien. Euh, L'éthique, il euh, y a beaucoup de teams de fansub qui sont éthiques et j'en ai rencontré pas mal et j'ai eu pas mal de discussions euh, quand, euh, quand on, faisait, on était sous la bannière Gensai. Ils comprennent qu'il y a une, une offre légale en face, ils laissent la place, ils font pas du mauvais boulot pour certains, euh, ils sont purs, ils arrivent à trouver des nomenclatures, ils font quelque chose de bien. Ouais. Maintenant, Dès que ça rentre avec un don, payez-nous pour payer nos serveurs, etc. Ouais, Donnez-nous pour oui. faire ceci. Ouais, ouais. Euh, ben, c'est une entreprise. Donc, euh, ils payent une entreprise, mais ils n'ont pas acquis les droits auprès de euh, certaines personnes. Euh, c'est pas, c'est pas juste. C'est pas fiable. Et euh, je recherche encore une fois l'éthique. Et je sais qu'il y a beaucoup de teams qui peuvent nous écouter ou pas, mais qui sont éthiques. Et qu'ils le font, c'est-à-dire qu'une fois que la série est éditée, ils arrêtent. Et, et ça ne les empêche pas de nous contacter ou d'essayer de nous contacter et qu'ils le fassent voilà, pour essayer de participer à quelque chose de plus grand. Euh, malheureusement, euh, le, le plus ça va aller, euh, plus maintenant qu'on a l'offre légale qui est pléthorique et qui essaie d'être présente, et en tout cas on le sera euh, dans le futur, euh, voilà, petit à petit, ben, on va commencer à attaquer. Parce que c'est la conclusion, le piratage ne peut pas, peut pas ternir au maximum la réputation, la réputation et surtout empêcher la pérennité de notre boulot, notre passion à tous. Qu'on soit lecteur de manga, écrivain, scénariste, dessinateur, traducteur, producteur, euh, éditeur. Euh, tout ça, c'est notre gain de pain, mais ce n'est pas parce qu'on gagne des millions. Au contraire, on ne gagne pas forcément bien notre vie, mais au moins on gagne par rapport à notre passion et c'est ça qui nous fait vivre quoi joli. C'est le, le mot cas... de la fin Non, c'est pas le mot de la fin, mais bon, voilà, ça va être le mot de la fin sur, ce, pas, sur, ce, de, sur, sur ce secteur, en tout cas. Non, juste euh, un petit truc rapide. Euh, comment vous placez... Enfin, euh, cette question s'adresse plus à toi, Pascal, en l'occurrence, forcément, vis-à-vis -vis de Gensai. Vis -vis, comment tu te places euh, face à l'ouverture, du coup, de Crunchyroll France Puisque Genzai Alors, était euh, historiquement euh, basé sur oui, la technologie oui, notre Crunchyroll. Partenariat, notre partenariat avec Crunchyroll, euh, c'est terminé parce que, euh, voilà on n'avait pas réussi à trouver euh, le moyen de les faire rentrer dans, Gensai, euh, dans ADN. pardon. Euh, on a proposé aussi euh, par rapport à, à ça euh, euh, le fait qu'on allait diffuser des séries sur G1. Euh, notre vision, je dis bien notre vision, Kaze, Kana, mm -hmm. c'est une vision globale du marché de l'animation et du manga. C'est-à-dire que même si on vend des animés, même si on vend des DVD, même si on a une plateforme, faut pas oublier que l'animation reste le complément du manga de l'histoire. Donc le manga en tant qu'écrivain, l'animation fait vendre le manga. Mmh. Donc même nous, si, si en termes d'animation ça nous fait vendre, ça fait vendre un petit peu, ça ne remplace pas le, le manga. Or le marché américain n'a pas la même histoire que nous. Dans le marché américain, il n'y a pas beaucoup de télé qui ont diffusé de l'animation japonaise. Il y a très peu de mangas, en tout cas pas comme chez nous. Chez nous, nous avons Kaze, Kana. Gléna, Pika, euh, Saka, euh, je peux en sortir plein, Tonkam, Delcourt, etc. Il y en a plein. Ouais. Mais, aux États-Unis, ce n'est pas le, le même système. Alors et non, ils sont pareil, hein. très, sens très sensibles et ils sont très orientés numériques. Et donc, pour eux, les 14 jours, c'était quelque chose euh, de rédhibitoire et, et, et de pas. pas, euh, pas enfin, comment dire C'est pas possible. Ouais. C'était pas possible de, de passer outre cette, cette période-là. Donc on est, encore en, on est encore en bon terme. Si on trouve un accord pour les faire rentrer à un moment donné, on les fera rentrer dans ADN. Pour l'instant, toutes les séries qui sont sur ADN ne sont pas disponibles sur Crunchyroll. Tout à fait, oui. Et Crunchyroll a les droits pour d'autres pays. Mais comme c'est les géolocalisés, on ne peut pas les voir sur leur système. Donc longue vie à eux, parce que de toute façon, euh, comme on dit hein, chez nous, il hein, euh, a pas. Euh, si on est tout seul sur le marché, on ne marche pas. Ouais, ouais. Il faut dans une rue, tu un restaurant chinois, il marche moyennement bien. Tu un deuxième restaurant chinois en face, ça marche, les deux vont marcher. Le but du jeu, la compétition, c'est normal, ça fait avancer tout le monde. Ouais, et puis et... Euh, de quel droit euh, juger négativement euh, des acteurs qui, euh, qui, quand même, viennent Crunchyroll euh, vient de la passion de l'anime C'est pas des mecs qui sont arrivés avec leurs millions et qui ont, genre, ils ont. Ils ont quand même une légitimité à être là. Bon, euh, L'idéal, c'est d'avoir une plateforme commune pour, pour le client final, c'est sûr. Comment c'est réparti derrière et comment c'est organisé entre les éditeurs, je dirais, c'est une tambouille qui est censée être invisible. Donc voilà, c'est ça qui pousse. À, pour moi, le, ça dépasse tous les arguments. Quoi, on va dire que voilà. Et, euh, et Crunchyroll, il, bah, tant mieux si euh, pour le moment bah, ils font leur truc aussi. C'était voilà. des fansub à la base. Ah oui. Ils se ouais, sont ouais. professionnalisés. Ça fait six ans qu'ils sont sur leur marché, mais ils sont orientés numérique only. Ils ont des contrats d'un an. Euh, ils ne pensent pas à la télé. Euh, ils, ils utilisent leur. Euh, en fait, c'est une cartouche quoi. Il tire, euh, il tire un super coup avec un animé, mais une fois que la série est terminée, il bah, n'y a, a pas de back catalogue. Et euh, c'est difficile. Voilà, tu t'as raté un épisode, bon bah, voilà, tu peux le voir. Il y a un très beau système de paiement et de gratuit, Tout à fait. Euh, financé par la pub. Et puis de disponibilité après euh, par des premiums. Voilà, c'est pas notre façon de voir. C'est pas la même façon de... de, 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 de euh, de partager euh, du manga, euh, de l'animé et voilà. Et nous, on est des groupes. On fait partie, on représente des groupes. Et euh, c'est en ça qu'on arrive à promouvoir ce, cette plateforme-là. Ouais. Et puis, euh, du coup, nous, on est quand même dans une position avec Kana euh, d'expertise du marché japonais adapté au marché français, qu'on connaît très bien quand bien même. Eux, ils, ils ont quand même, bah, du coup, cette histoire d'adapter de, de, le marché américain au marché français. Donc, sur l'offre et tout, il y a quand même un challenge supplémentaire qui peut être... Euh... Bon, du coup, voilà. Mais, euh, mais bon, euh, moi, je suis... je suis super content qu'on voilà, qu soit plein. Ouais, oh, confiant. Euh, es, est, on est plein, c'est que pour tout le monde, ça doit être la même chose. Et, et voilà, et euh, qu'ils aient, qu aient des titres traduits, c'est très bien pour tout le monde, tant mieux. Et il faut que le marché... <laughs> non, mais il y, y a des titres qu'on n'aurait pas pu acheter de toute façon, parce qu'on voilà, n'avait pas le moyen. Et eux, s'ils si ont les moyens de le faire et qu'ils le font, bah, tant mieux. Pour ça, eux. Tant mieux. Ouais. Alors... Comment ça se marche Justement, très rapidement, vous en parlez. Comment ça marche la collaboration entre entreprises qui sont concurrentes quand même ouais. et Cana, ouais, Alors, Canada, les, alors ouais. tous les samedis, on prépare les tanks, enfin l'infanterie. Ouais. <laughs> tous les dimanches, euh, on nettoie les armes. Ouais. Qui euh... s'occupe de la propagande. De ouais. bah, ouais. toute façon, ah, tout, ce est, dit, la tout ce qui est vrai travail, c'est fait par casé. <laughs> euh... Je laisse et parler, euh... hein, je, laisse <laughs> parler je vais tacler à un moment donné. Mais je laisse et puis, parler. Voilà. Et puis, bon, euh... non, non, mais en gros, euh, comment ça se passe au quotidien bah, C'est simple, on a déjà présenté les équipes. Euh, donc Pascal connaît très bien euh, ma team et euh, euh, la fonction de chacun. Donc, euh, on, se re... on se rencontre euh, toutes les semaines euh, pour faire un point de la semaine des galères, pas des galères, est-ce qu'on va pouvoir livrer les masters dans les temps, est-ce qu'il n'y a pas un jour férié au Japon euh, qui euh, va faire que la livraison soit décalée, est-ce qu'il n'y a pas un traducteur qui est malade, bon, etc., tous les petits ennuis qu'on peut avoir. Euh, on update sur les nouvelles features qu'on a mises sur ADN, sur ce qui est en planification, etc. Et puis, euh, et puis après, quand on est calé, bah voilà, ça se déroule et on s'appelle tous les jours pour être sûr que tout est bien livré, tout est bien arrivé. Il y a un retard, qu'est-ce qui se passe, etc. Et vraiment, c'est un daily business quoi. Je veux dire, on est vraiment, voilà, on est sur le pont, notamment là comme ça quand il y a 12 séries hebdomadaires. Bon, ouais. euh, euh, il se passe pas une semaine sans qu'il arrive un pépin où il faut être réactif, où il faut rappeler, rebooster, appeler le Japon. Enfin voilà. Donc en gros, c'est un travail comme ça hebdomadaire. C'est des contacts tous les jours. C'est des plannings gérés tous les jours. Euh, mais voilà, ce travail-là, maintenant euh, tout roule. Mais euh, au début, depuis mars avril, où on est sur dessus, ça a été euh, des semaines de travail de développement, euh, à savoir comment on transférait le matériel d'un côté, comment on le récupérait du Japon, parce que des fichiers numériques 40 gigas, vous le récupérez pas en une heure. Euh, voilà, quand est-ce qu'il fallait faire et comment il fallait faire, et puis de l'autre côté, euh, voilà avec Seb. Euh, qui faisait quoi, comment on le gérait, etc. Donc, euh, non, non, toutes ces gestions-là euh, voilà, sont bien huilées, euh, avec des réunions hebdo euh, euh, voilà, menées de main de maître par les deux maîtres de cérémonie <laughs> que vous avez aujourd'hui. Ouais, bah, effectivement, deux MC pour une plateforme, c'est un peu le la... De... J'ai déjà vu ça en boîte des fois. Ah, un ouais, des... voilà, <laughs> c'est ça. C'est un peu les daft punk de l'anime. C'est un, un ça, peu les da... Da... ouais, voilà, c'est ça. Bah, D'ailleurs, vous n'avez ouais, pas nos ouais, les... photos, Il on mettra des casques la prochaine fois. Oui, ouais, non, mais c'est ça. Bon, après, euh, vraiment, euh, tout ça est possible parce que, bon, effectivement, il faut piloter les opérations, faut, euh, bon, on a parlé de la partie contrat, etc. Mais ce qui fait que ça marche, bon, d'ailleurs, je tiens vraiment à saluer l'équipe de, de, de chez Kazé et de chez Kana, euh, c'est les gens qui sont là, qui sont fans, qui vraiment se, euh, réagissent au quart de tour, sont réactifs, etc., pour que tout ça puisse pas se passer. Parce que, bon, concrètement... Euh, oui, ok, il faut acheter les droits, mais bon, après, il faut quand même euh, le faire, le, 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 le travail opérationnel. Et là, euh, là je, ben, voilà, euh, tous les problèmes qui ont pu se poser et qui pouvaient avoir l'air euh, euh, impossibles à surmonter euh, au, en début de projet, quand on en a parlé et que c'était encore de la littérature, euh, on a quand même... Euh, Réussi à les intégrer dans une production quotidienne, c'est-à-dire au milieu des sorties Blu-ray, DVD, des ventes télé, des sorties ciné, des livres. Je m'occupe quand même de quand on a deux titres par an, je sais pas. Ouais. Euh, enfin bon, je veux dire, on, on a une grosse production et ça a pu s'intégrer euh, et euh, avec, sans vraiment sans sacrifier aucun des des, des critères de qualité. Quoi. Donc ça, c'est vraiment, euh, ça c'est vraiment grâce à l'équipe. Ouais, ouais. Donc euh, je, je reprends que ce soit Casé ou Canada. Euh... Euh, la qualité des gens, la qualité aussi de euh, euh, notre intelligence commune, à savoir euh, Seb et moi, de trouver euh, les moyens qu'il fallait. Euh pas on pas dire qu'on a une bref. intelligence pour deux. Hein, mais non, non, on a bien dit mettre en... mettre en commun nos intelligences. Voilà, je reformule. Euh... <laughs> Merci parce que là, moi, du coup, j'étais un peu troublé. <laughs> non, mais ils ils pas. Ils chercher lequel pas. L avait l'intelligence. Ah, C'est voilà, quand même vous évident. Quoi. Quoi. Ouais, <rire> <rire> voilà. Vous avez bien compris, hein, moi, j'étais là avant, hein, je suis désolé. Euh... Non, non, reprenons. Euh, en effet, euh, d'un point de vue technique, c'est vrai qu'avec Seb, de par nos parcours, on savait exactement où est-ce qu'on allait et on a su rassurer nos deux groupes. Parce ouais. que c'était compliqué et, et c'était une crainte de se dire, mais comment on va faire Je pour veux, ouais. fournir un épisode en qualité HD à une télé le jour d'après de la diffusion japonaise alors qu'on n'était pas censé l'avoir Alors sur Internet, oui, c'est possible, mais les qualités et aussi les termes techniques à mettre en place avec nos ayants droit japonais pour récupérer le matériel, etc., et que ça soit diffusé, et validé par CognacG pour être diffusé sur une chaîne RTN, euh, pas RTN, pardon, même chaîne du, du câble ou, ou, ou de la TNT, pas encore, j'espère, un jour, mais voilà, ça c'était très compliqué à mettre en place et ça avec Seb, on a réussi nous, à nous rassurer nos deux parties pour dire oui, c'est possible, oui, on va le faire et euh, en effet, la qualité des teams euh, mises en commun. Voilà, je, je, on cesse de dire merci tous les jours. Après, voilà, on tape quand ça fait mal, mais voilà, il faut dire quand c'est bien que c'était du beau boulot. Euh, 12 séries euh, diffusées, c'est c'est beau quoi. C'est beaucoup de boulot effectivement. Ouais, ouais bon, c'est vrai. Ah. Je... Enfin, je sais, c'était pareil sur la sur Genza, mais c'est vrai que sur Kazetplay. Bon, s'il y avait un retard ou quoi que ce soit, on disait bon bah y et en retard, yes. euh, on s'excusait et puis bon, c'était diffusé le lendemain ou quelques heures après. Ouais. Là, on est vraiment. y télé, quoi. On, on fait une euh... promesse de grille télé aussi stricte qu'elle puisse être sur une, un, un achat d'épisodes de, de, classiques. Et euh, si on peut le faire une fois avec g on, on le fait aussi avec AV. Euh, ça veut dire qu'en gros, le, le, le procès est validé. C'est possible de faire du simulcast Donc, bon, c'est même. Pour nous, c'est une avancée. Euh, en termes de technique de production, donc c'est ouais. vrai que c'est intéressant aussi à vivre. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'était que des passionnés, des fans pour les fans, par les fans, etc. Vous allez avoir l'occasion de le prouver. Je vais vous demander à chacun <laughs> ouais. euh, quelle est je votre entre... série préférée sur ADN Tu vois ce petit mais œil, œil du, du catalogue du pied, de l'autre. Ah, bah voilà. Donc, quelle euh... ta série préférée, Sébastien, euh, du catalogue Canaum euh, euh... Home Video disponible sur ADN alors, le catalogue Kana. Euh... Merci de prendre du temps, ouais, ça fait Non, plaisir. mais il y a tellement. Non, et mais, mais j'hésite tellement. Non, non, non. Ben non c'est tellement de très, très longue. Très, très longue et magnifique. Mais non, sérieux. je réfléchis. Je, 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 je contemple tout le panel. Non, mais bon, bon, moi, c'est vrai que j'ai une, une nostalgie un peu pour Naruto parce que j'aime bien, le, bien le, le, le classicisme de la construction, etc. Enfin, pour moi, c'est presque de la... Comment dire C'est presque un cas d'école du shonen avec tous les codes, etc. Qui s'articulent bien. Les persos sont attachants. Enfin, bon, voilà. Après, euh, j'avoue que euh, j'ai pas suivi jusqu'à la fin, mais euh, mais euh, pour la première série de Naruto, c'est vrai que moi je trouve que ça reste un, c'est devenu un, un classique quoi. Et, euh, et c'est vrai que bon ça, voilà, moi je trouve que ça se démode peu quoi. Ça te plaît bien quoi. À voilà. ah, moi alors, à ah, toi pour ouais. réfléchir, je vais prendre du temps aussi. <laughs> je sais, Il bon. est vexé. Parce qu'il y a Pourquoi tellement de séries surcasées qu'on. 45 secondes hein. d'un côté, <laughs> donc on va voir. Vrai, <laughs> la série du moment alors pas ma série préférée la série du moment court cause basket ouais, voilà clairement un bon choix. on un retrouve bon choix. un vrai choix un, un, un vrai shonen sport safe qui peut être regardé par n'importe qui voilà donc ça ça me plaît énormément je dis pas que je retrouve l'esprit d'un slam dunk mais en tout cas d'un point de vue série sportif ça tient ouais. la dragée tu as pas mal de séries ouais, ça marche vraiment bien ouais. euh, très donc très très efficace aussi bien en manga que en animé tout à fait effectivement ouais et alors, euh, sinon, au niveau du, du hit parade, un peu, ça, ça donne quoi Qu'est-ce qui marche euh, vachement bien Alors, j'imagine que Naruto, Fairy Tail, euh, ça marche vachement pas, bien. Pas, pas foncièrement. Attends, ça ouais. non, okay, non, non, bon. c'est pas, pas les séries, On a uh, Bayon The Boundary qui marche bien. Ouais. ouais. Euh, après, c'est une série euh, diffusée après 22h30 sur g 1 qui marche bien, euh, <laughs> avec des catcheuses. Euh, ah oui, évidemment. Euh, <laughs> ouais. Non, non, je déconne. Euh, au, au niveau du chart, euh, ça, ça se vaut. Ce qui, euh, comparativement. Euh, ce qui marchait sur Gensai et je pense que c'est à peu près la même chose sur ADN c'est Hunter. Ouais. Parce que c'est la nouvelle série ah, parce qu que c'est du 2011 ouais. et voilà et parce qu'on arrive sur des sur des titres euh, sur, sur des épisodes qui n'ont pas qui, qui, ont, qui ont jamais sorti en animé. Bon. Ouais. Et bah super. Hum ben super. On va s'arrêter hein, ça fait pas mal de temps, ouais, on va faire une dernière pause puis on reviendra juste pour les speed chroniques. Alors du coup, ce coup-ci, qu'est-ce qu'on écoute On écoute, on écoute euh, alors un titre plus que vintage, là, enfin plus que vintage non, mais bien vintage, je veux dire pour les, pour les auditeurs qui vont être sûrement plus jeunes que moi. Est-ce que tu te souviens de ton dernier, de ton dernier choix japonais euh, oui bien sûr c'était bien sûr l'opening d'Evangélion. De... absolument ah non mais très honnêtement c'est un tube c'est voilà. voilà. un the tube quoi. Euh, j'ai compris il <laughs> ouais, y a, y a voilà. deux filles dans le, dans le truc t'as <laughs> choisi pour les filles bah, bah non, oui voilà. ouais, mais bien, bien sûr t'as eu pour raison non parce que je suis désolé avec les filles qui ont fait c'est trop aussi c'est exclamé parce que j'ose exprimer la part de féminité moi je me rappelle le premier casque que j'avais fait il n'y avait pas autant de filles c'est pas voilà. la même chose. Hein. <laughs> ouais, voilà. Il, il croit partout. Allez, à tout à l'heure. Alors j'imagine que Seb, si avais choisi euh, oui. l'opening des c'est juste parce que tu as kiffé cette série euh, quand elle est passée et qu'elle est un peu mythique pour toi Ouais, effectivement, bah euh, ouais, ouais, non, c'est une, une série qui à tous les niveaux euh, m'a bien bien euh, euh, plu euh, lors de sa diffusion. Euh... Pascal grimace. Pascal ouais. non, 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 je et laisse euh, terminer. Euh, moi, j'ai un autre ouais. avis donc, euh... ouais, bah... oh super, de la polémique voilà. sur Evangelion. Vas-y, vas-y, vas-y. <laughs> non, non, mais. Au point de vue de l'écriture, de la symbolique, c'est, enfin, ça me paraît suffisamment original et réussi, et ça atteint ses objectifs. Enfin, ouais non, moi je, je trouve que c'est une super série. Mais peut-être que Pascal a un avis euh, oui, opposé. Oui, mais c'est parce que Seb a des actions dans. Non. Euh... <laughs> euh, oui, en fait, non, mais c'est quand euh, la série est sortie, c'était un peu, euh, c'était un renouveau de l'animation. Ouais. Et euh, moi, qui suis un vieux de la vieille, merci. Euh, J'arrivais sur la fin et j'attendais en fait. Euh, sur les shonen typiques années 80, début des années 90, quand c'est arrivé, il y a eu un renouveau de fans, un renouveau de, voilà, de, de, de cette série qui m'ont pas fait apprécier à juste titre euh, Evangélion. Okay. Toi, c'est l'ambiance autour d'Evangelion. Oui, qui fait ça. que tu pas la série. Oui, alors que c'est le studio, je l'adore, tout, tout ce qu'ils ont fait auparavant, j'adore, mais. Euh, voilà c'est juste euh, un point de vue purement personnel et j'assume. Mais bon euh, pour le coup c'est vraiment l'opening qui est un espèce de tube pour moi. Ah oui, carrément. <laughs> si la série aurait été pourrie, j'aurais pu le proposer quand même. Hein. C'est pas euh, voilà. <laughs> je, peux, je peux parfaitement le comprendre. Eh bien du coup, on va enchaîner. Speed Chronique, une minute pour parler d'un manga qu'on a lu. Alors moi ce mois-ci, j'ai lu une nouveauté de chez Saka euh, qui s'appelle Big Order de Sakae et Absolument, c'est l'auteur de Milainiki. Nikki. Ça me parle complètement. Pourtant, il y a un drama. C'est dommage, c'est une très bonne série, Milainiki. Nikki. Milainiki. Nikki. Mirai Nikki, oui, qui est édité chez Ikean. Chez Saka aussi. Ah non, dis donc. Bah non, mais attends, genre, je vais connaître le titre. Ok, d'accord. Il y a un beau gosse dedans. Ah bon, c'est voilà. quoi En fait, c'est un drama sur euh, des, des jeunes qui reçoivent euh, sur, sur leur portable euh, comment euh, leur avenir, ce qui va, ah, ce qu va oui. leur arriver ah, le oui, lendemain. Ça y est, je vois lequel c'est. Tu okay. vois ah, ah, voilà. oui, non, mais je pas regardé. Je me souviens plus du nom de l'acteur, mais il est très beau. Non, il est pas terrible. Bon, bref, oh ah, c'est pour ça. Reviens, re reviens sur le euh, Order. Dès que les filles prennent la parole dans cette voilà. émission, on va vers le beau gosse. Hein. Elles sont très discrètes et moment top. Bon, et d'un seul que vous vous parlez plus. Je pense qu'on va se barrer, Seb. Ouais, c'est ça. Donc, revenons au manga. Donc, Big Order, euh, donc c'est en fait l'histoire d'un jeune homme qui a dix ans plus tôt souhaité la fin du monde et en fait son rêve est devenu réalité, c'est-à-dire qu'il a déclenché la fin du monde suite à un super pouvoir qu'il a apparemment l'air de posséder. C'est moche quand même. Comment Si oh. c'est moche quoi. Bah ouais, ouais. c'est moche, c'est clair, ça c'est pas de bol. On sait pourquoi il a souhaité la fin du monde parce que c'est pas un souhait euh, très très adroit quoi. Enfin, comment... euh, alors en fait, après c'est expliqué mais plus tard, donc vais ah, pas spoilé okay. euh, bah, ouais. les auditeurs. <laughs> quand même et donc euh, suite à ça en fait euh, le monde est devenu peuplé d'êtres surhumains qui s'appellent les Orders et il se trouve que le héros est un Order d'où le fait qu'il ait eu le super pouvoir de euh, générer la fin du monde oh. Oh oui. Voilà. ils combattent jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un seul c'est le Last Order <laughs> Humour. cette blague vous a été proposée c'est voilà, oui mais surtout cette blague est sponsorisée <laughs> par les éditions Glen <laughs> <laughs> Et donc, euh, ce charmant garçon, dix ans plus tard, et donc il est au lycée, parce qu'il était tout petit hein, quand il a généré donc la fin du monde, euh, rencontre une nouvelle camarade de classe dont il tombe éperdument amoureux au premier regard. Ça alors Ça alors Qu'est-ce qu'on est, qu est étonné Et il se trouve que cette nénette est venue pour l'assassiner. Parce qu'en fait, euh, la fin du monde a généré la fin de ses parents à elle. Ils, ont, ils sont morts durant ce, ce cataclysme. Et et là, donc un elle un veut se venger. Énergé. Voilà. Et donc elle décide de l'assassiner. Comment elle sait que c'est lui qui. Euh... J'allais poser la question. Bah parce ouais, qu'en fait, elle fait partie d'une organisation euh, ah. secrète, euh, ils gérée ils tous, par, par le là. gouvernement, blablabla. Oh, bla, bla, ouais. Et à la base, elle a été envoyée pour juste l'observer. Ah. Sauf qu'elle, elle, elle s'est dit euh, Ouais, mais bon, je vais l'atomiser, c'est mieux. Est-ce qu'elle va tomber amoureuse de lui finalement Alors on ne sait pas encore parce que c'est le tome 1. Ah, D'accord, voilà. OK. Non, est la c'est plutôt finie le Japon fini, <laughs> La série est en cours alors en fait, je ne sais pas parce que j'ai pas fait mes devoirs et euh, en fait euh, voilà, j'ai pris ça parce qu'il fallait que je lise un truc que j'ai fait OK, c'est un numéro 1. Tu je vais te lire te un te truc. Te et te tu l en fait, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très sympa. Voilà, c'est bien dessiné, ça va vite, c'est dynamique, le héros plutôt attachant. C'est pas la nana, bon bah c'est pas une cruche quoi, donc c'est ça change. Non, c'est plutôt pas mal. Pour répondre à la question de Pascal, c'est 4 tomes en cours. C'est publié dans le Monthly Shonen Ace de Kadokawa. Oh, quel savoir! N'est-ce pas? Je suis incroyable. Ça n'a rien à voir avec Wikipédia qu'il est en train de tenir dans ses petites pages. Mais pas du tout. En tout cas, moi, je le conseille si vous voulez lire un truc un peu sympa qui change à l'ordinaire. En plus, il y a une belle édition parce qu'il y a des pages couleurs au départ. Voilà. Je crois que d'ailleurs, quelqu'un en avait parlé le mois dernier. Tout semble. à fait. J'allais rebondir là-dessus. Effectivement, voilà. euh, je ne sais plus lequel des chroniqueurs, mais ça m'avait déjà donné envie de le lire. Donc ah, ça pas, mais ça ne faisait pas partie il... des premiers trucs de Halp. Non, je ne crois pas. C'est ou l'invité ou Jérôme. Où ou l'invité ou Jérôme. Peut-être même Glou. Bref. Donc, on continue le tour de table. Ah non, tu avais une question, peut-être, Tofu Non, mais c'est bon, vous m'avez cassé mon effet. Alors, <laughs> poursuivons sur ma Speed chronique. À moi. Bah oui, du coup, et on fait un tour de moi, table là. Il y a un grand événement ce mois-ci. Vinland Saga est sorti. Ah, tu... bah, du coup, j'ai bien fait. J'ai hésité à en parler, et je me suis dit que tu allais le faire. Grand <laughs> événement, j'ai regardé, hein, ça fait près d'un an hein, qu'il n'y en a pas. Oui, bah est oui. Sorti. Du coup, c'est hein. un petit peu triste. Et nous assistons à plus que jamais la torgalisation de Vinland Saga que dans le dernier tome, bon bah, il a envie de se battre, mais il peut pas se battre parce que lui ce qu'il veut c'est la paix. Mais les Vikings du coup il est un petit peu déchiré Et donc on attend tous depuis des tomes le moment où il va vraiment être obligé de s'arracher la tête. Mais pour, je suis pas euh... d'accord. Ah mais moi ouais, le dernier tome vraiment c'est ça. Et donc tu dis est ça, ça, va ça va mais moi, ça me, pâté, me dérange pas C'est plutôt bien fait, sauf que ça va mettre le personnage dans un cadre de bah systématiquement lui il veut pas aller au Turban. Donc c'est les menaces qui vont être obligées de s'approcher de lui et de taper sur ses proches ou je sais pas quoi. Et du coup par rapport au départ de la série qui était assez éblouissant je trouve. J'ai peur que euh, que ça mette à frein euh, aux ambitions du héros qui a des ambitions très pacifistes et que du coup l'action et le dynamisme de la série s'en ressorte. Par contre, c'est un des meilleurs tomes qu'on ait lu ces deux trois dernières années, je pense. Ah bah, vu que n'aimes pas les autres euh, euh, voilà, le paysans, euh, ou... le côté la, les trois tomes de La petite maison dans la prairie, c'est vrai que ça m'a pas super amusé. Mais tu vas comprendre quand ce sera mon tour pourquoi est-ce que ça m'a pas dérangé. <laughs> pourquoi bon. c'était génial quand il coupait du bois voilà, et qu'il ramassait le blé. Ouais, je suis d'accord pour une série de guerrières. C'est -ce pas mal. Pas Peut-être oh. une future direction pour Naruto quand Exactement. il va finir sa petite guerre. Alors Sébastien, est-ce que tu as le temps dans ton emploi du temps incroyable de lire des mangas papier Ah bah je lis euh, je lis ceux dont je m'occupe chez Kaze. Hein, mmh. euh... qu'est-ce que tu as lu dernièrement qui oh. t'a interpellé un peu ouais, bah nous on a on vient de sortir euh, euh, un manga assez intéressant qui s'appelle Docteur des maths qui est sur le, le quotidien des urgentistes au Japon. Voilà. Euh, je beau kit de presse d'ailleurs. Merci. Euh, donc bah ouais bah de presse fait en collaboration avec la direction éditoriale de Cazé <laughs> euh, donc, donc ouais non partie. effectivement non, non mais donc effectivement euh, c'est voilà c'est l'histoire d'un médecin qui a été euh, qui a eu euh, l'obligation bref de participer à euh, à l'intervention d'urgence et qui serait plutôt avec une sensibilité féminine etc enfin pas du genre à, à, à faire ça, à faire ça et euh, qui se retrouve plongé et, du coup ça correspond aussi à son parcours personnel etc donc le graphique est un peu inédit assez euh, assez euh, assez assez ré, assez torturé, un peu à l'image du, 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 du vécu du personnage. Voilà, donc voilà, on, on vient de, de, de lancer enfin en, en impression le, le, le tome 2. Voilà, donc c'est un titre indé, vraiment. Oui, euh, oui, J'ai lu dit. le tome 1, c'est assez efficace. Hein. Ouais. Voilà, c'est pas révolutionnaire mais c'est très efficace quand on aime bien effectivement ouais, les je... mangas comme ça un peu de médecine réaliste euh, avec un peu de, 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 de tension euh, dans les trucs ouais c'est non il ouais, y a des bons patch Turner dedans ça ça marche bien étonnant c'est ça étonne sans, euh, sans être euh, je dirais euh, trop barré ou ouais. trop segmentant quoi c'est vraiment voilà on a envie de savoir ce qui va se passer quoi Donc, ouais, ouais puis c'est marrant de voir comment comment s'organise les secours au Japon effectivement ouais. sur les accidents, c'est sympa Pascal, tu as lu un truc Alors, pour être corporate, euh, ah, qu'est-ce que j'ai lu hein. dernièrement Non, 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 euh, je déconne, je, lis, euh, je continue à lire euh, pour faire la bonne part à Kazé euh, Kuroko. Ouais. Ils sont tous. Voilà, ah, c'est euh, sympa, ça, ça marche bien. Sympa, quand même. Ça marche bien. Sinon, euh, euh, Assassination Classroom avec le deuxième tome qui commence à poser l'histoire, donc ça, c'est pas mal aussi. Ouais. Euh, et puis, euh, je reste fidèle parce qu'il me semble que je l'avais déjà dit l'année dernière à Ushijima avec le tome 21 Absolument. sorti de la dernière fois c'est enflammé euh... puisque c'est une de ses séries préférées j'adore et, et euh, c'est complètement barré c'est pas super bien dessiné mais pour un titre un peu underground comme ça c'est vraiment un. Tu, voilà. as la... tu as la caution graphique du podcast avec Ushijima puisque le niveau en dessous <laughs> duquel on refuse de parler des mangas a priori selon Tofu c'est Fresia dont il ne parle plus. Il a fini. C'est une vieille affaire. Maintenant, je suis oui, sur voilà. le choc des titans. Ou... Oui, c'est vrai que l'attaque des titans, c'est L'attaque de des titans, titans c'est moche, mais par contre, l'histoire est vraiment. Ah ouais, voilà. bah, hein. J'étais mais... d'accord au début, et puis là, je crois qu'on est au tome 3. Ouais. t'es pas le 4, 4, 4 pas bah, Peut-être, je l'ai pas encore lu le 4. Et je trouve que justement, ce qui arrivait à me faire passer le côté graphique sur les premiers tomes, euh, moi, l'intérêt a vraiment baissé. Quoi. Tu as tort et tu t'obstines. Oh Chacun ses goûts et ses couleurs. J'étais prêt, prêt à sauver l'histoire sur les premiers tomes. C'est vrai qu'elle était plutôt intéressante. Non, tu vas voir, ça, ça, ça reste bien après. À partir du moment où il se transforme en robot géant. Pardon, pas en robot géant. Oh. <laughs> donc, du coup, Ushijima. Ushijima 21, excellent. Voilà, et Kuroko, voilà d'hab, le, le tome 12. Et, euh, et aussi donc, euh, sur Assassination Classroom. Voilà, C'est pas super, super euh, encore implanté. Voilà, moi, je crois à ce titre-là. C'est un très, très bon titre, Shonen. Donc, euh, super fun. Ouais, très fun. J'ai ouais. ouais, pas, pas encore lu le tome 2, moi, mais effectivement. Et moi, je trouve qu'on on en parlait avec mon frère. On avait des. Euh, on trouvait que le. Coupe pour restait. le podcast. Vous savez maintenant que c'est un, un frère. <laughs> et on en, on en parlait sur le tome 1. On l'avait trouvé vraiment super fun, dynamique, etc. Mais on avait très peur que ça s'essouffle rapidement. Et je trouve que dans le tome 2, on trouve des, tout de suite une direction euh, un peu particulière, surtout sur la fin, qui ouvre d'autres perspectives. Et ça. Voilà. Ça voilà, donne ça envie amène de aussi, et je pour crois faire un sticker, tu vois, caution de tofu. Ouais, ouais, ben je crois, je croise les doigts et je touche du bois pour que y ait une animation. Voilà. Ah ouais. Ça ce serait Ça, bien. Serait, ça, ça serait ce serait serait, très très bien. Ouais. Oh, Bonne série prometteuse. Mmh. Ouais. Muriel, tu as oui. lu quelque chose dernièrement Tout à fait. J'ai fait mes devoirs. Euh, J'ai lu le premier tome euh, cette semaine d'un manga qui euh, a été édité chez Kazé Sojo. Tout à fait. big up euh, à toi <laughs> alors, et euh, ça... c'est un, un ouais, manga qui s'appelle Second Love Once Upon a Lie euh, d'Akimi Hata euh, alors c'est l'histoire d'une jeune femme euh, semi qui a 28 ans euh, qui travaille dans une société de cosmétiques et puis en fait elle, a... Oups, là ensuite, va, vous ouais, ouais, elle est amoureuse ensuite, depuis euh, 10 ans du même homme mais bon voilà elle n'arrive pas à se déclarer donc, euh, et elle apprend un jour que bah, ce, ce garçon va se marier donc en fait Oups. ça raconte... Euh, ah oui ça fait mal elle se prend ça dans les dents et puis elle se dit Bon, bah voilà, euh, il va falloir quand même qu'elle s'en remette. Et là-dessus, euh, un jeune homme, le petit frère de, du monsieur en question, Satsuki, euh, mmh. apparaît un peu dans sa vie parce qu'en en fait, il travaille euh, à la cantine, dans, dans la cantine du travail ou de, de. Genre la de, sa boîte. de la mort. En fait, non, mais en, en fait. C'est piège <laughs> en haute mer, mais le remake Shoujo, tu vois. Ils très ont bizarre. embauché le cuisinier. C'est très bizarre. C'est vrai que sur le papier, plus j'en parle, plus je me dis que c'est bizarre. Mais en fait. Euh, elle travaille dans une boîte où il y a beaucoup de femmes et euh, la patronne décide d'ouvrir euh, un host club euh, dans, dans sa cantine. Dans sa cantine, en fait, c'est que des beaux <laughs> gosses ah, qui servent serve les verres de sel. C'est assez étonnant. <laughs> et, euh, non, mais <laughs> moi, j'ai vu ça, je dit Ah, d'accord, ok, admettons. Euh... Mais c'est très bien. Et si, ceux qui ne savent pas ce qu'est un host club, vous pourrez écouter le podcast précédent, la voilà. thématique, okay, où on parlé. parle euh, des différents fait. trucs chelous au Japon et les host clubs, on en parle évidemment. Bref, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se remet de son premier amour. En fait, c'est un peu son passage en allant euh... au club de ça. Voilà, tout à fait. C'est son passage à l'âge adulte, oui, mais alors qu'elle a déjà 25 ans. C'est ça que tu pas nous pas dis. Oui, en mais, fait. mais enfin, au Japon apparemment on passe à l'âge adulte euh, très tardivement, je ne sais pas. Mais enfin, bon, oui, C'est des hommes qui demandent ça. J'ai trouvé ça intéressant en fait, le côté euh, ben j'arrête avec mes illusions de jeune fille et puis euh, j'attends de voir ce qui. A... Et je me tape le petit frère. Ouais, <laughs> voilà, un... exactement. Non mais Il vous arrêtez de me casser mon... En plus, l'ai bien aimé. Je suis pas tellement Non mais ça a l'air sympa. Le graphisme en plus est plutôt chouette. Bon après c'est du graphisme chouette. C'est bien dessiné, les beaux garçons ils sont beaux, les filles sont jolies. Non, c'est bon, non, non, mais franchement, les garçons sont beaux, les meufs on s'en fout. Non, hein, alors euh, là où j'insiste. Est Est-ce qu'un jour on pourra demander par hasard à des gens de caser si elle a bien vendu le livre <laughs> bah, Si jamais un jour il y a en a, a sur de le plan, et qu'éventuellement euh... ils veulent s'exprimer. Mais non, mais si vous me laissiez parler, je pourrais peut-être <laughs> le vendre le, <laughs> euh, le manga, vous m'embêtez. Non, mais moi ce que j'aime bien, c'est que l'un des trucs qui m'énerve dans les sojou, c'est le côté jeune fille en fleurs, oh mon dieu, je suis victime des je me fais balader d'un mec à l'autre il euh, y a un triangle amoureux et là il bah, bah, y a pas de triangle amoureux puisque le premier mec va s'en aller euh, rapidement et puis euh, moi je trouve que l'héroïne attends oh, c'est euh, que le tome, attends, 1. Que le tome 1 et il y a un houssle laissez-moi mes illusions je veux croire qu'en fait elle va pas se laisser balader comme une pauvre fille. et non, franchement ça a l'air sympa non non, non elle est très bien et j'aime bien le côté euh, le côté je me laisse pas faire voilà je, je reste pas à pleurer dans mon bon, coin bon, j'essaye ouais. de, de, au de au passer à autre chose c'est pas mal de se rebeller vous m'énervez c'est comme que je vais conclure ma speed chronique allez tous au voilà. oh, diable. Bon. Alors moi je vais vous parler de deux livres assez rapidement. Je vais commencer non d'abord par du très oh. mainstream. Ça faisait quelque temps que j'en avais pas parlé. Longtemps. Donc je vous reparle ah. du dernier Dragon Ball en édition perfecte. Parce que je suis obligé de parler du 28 et de parler du 27. Puisque c'est le début. Enfin le 27 c'était le début du, euh, du Cell Game. Donc le combat entre Goku euh, en Super Saiyan euh, face à Cell en forme perfecte. C'est l'équivalent du tome 34. En, enfin, c'est une partie qui correspond au, au tome 34 dans la version Tankobon. Et donc, dans le volume 28, le dernier sorti, c'est le combat contre, euh, entre Cell et Gohan quand il s'énerve pour de bon, quand il passe, quand la première fois dans le manga on passe en Super Saiyan 2, et c'est donc toute la conclusion de, de l'arc de Cell. Et c'est un combat qui est juste d'une intensité incroyable, qui se finit donc sur le, le fameux Kamea Perfis. C'est vraiment un arc où euh, Toriyama est au sommet de son art graphique euh, en termes de mise en scène, de nervosité euh, des combats, d'efficacité de, de la narration. Et euh, même si le meilleur arc, c'est probablement l'arc probablement Freezer, le, ce combat-là est vraiment grandiose. Et du coup, c'est un tome qu'il qui faut avoir lu. Et encore une fois, de toute façon, l'édition perfecte de Dragon Ball, c'est l'édition qu'il faut avoir euh, parce qu'il faut avoir Dragon Ball dans sa collection. En attendant, l'édition peut-être super perfect. Il y a une édition super perfect <laughs> dont tu parles qui existe au Japon. En fait, j'en ai parlé. Si tu, te... mais c'est pendant que tu n'étais pas au podcast. Donc je vois que tu n'as pas écouté les podcasts auxquels tu n'as pas participé. Je n'ai pas quand je suis pas dans voilà. ça. Voilà. Bon et donc <laughs> ils, ils ont fait une édition couleur, tout en couleur, mais pas animé comics. Une... Ils ont colorisé les pages du manga. Mais du coup, il n'y a pas l'arc de Sel. Il n'y a que les Saiyans et Freezer, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ou alors si, il y a peut-être Sel, mais il n'y a pas bout. En ouais. attendant la collection super super personne. Ah bah et l'autre tome dont je vais vous parler, aussi. et tu vas comprendre du coup pourquoi jamais euh, comment euh, l'arc agraire de Vinland Saga, c'est Noble Paysan oh. de Hiromu Arakawa, qui est donc l'auteur de Full Metal Alchemist et du non moins excellent Silver Spoon. Donc, Silver Spoon, qui est un manga où elle euh, nous parle d'un gamin qui se retrouve dans un lycée agricole. Il se trouve que l'auteur elle-même est fille de paysan. Et donc, dans Noble Paysan, c'est un peu une, euh, une autobiographie. Elle nous parle de euh, sa vie euh, dans. Donc, en fait, euh, ce que tu veux nous dire, c'est que l'OVNI, c'est Full Metal Alchimiste. Voilà, dans sa, <laughs> dans, sa, bah, dans sa biographie, effectivement, l'OVNI, c'est FMA. Non mais du coup c'est super drôle et en même temps on apprend des choses un peu sur le, le quotidien de l'auteur puisque c'est pas sa vie à l'école quand elle était paysanne mais c'est sa vie quand elle est devenue mangaka et euh, ses relations avec euh, son éditrice quand elle lui explique un peu euh, bah, comment ça marche dans une ferme et ceci et cela. Donc c'est très rigolo. Heureusement qu'elle a sorti Full Metal Alchimiste avant. Ah mais complètement <laughs> Complètement, complètement, on est bien d'accord. Mais honnêtement, euh, bah, Silver Spoon d'ailleurs euh, l'animé, bah, il est pas chez vous malheureusement, mais, euh, mais il est quand même dispo en France. Et euh, du coup, si vous voulez pas lire le manga, euh, regardez au moins l'animé. Mais Silver Spoon, il faut faire. Et Noble Paysan, bah, c'est très sympa aussi. Voilà, voilà, voilà pour les Speed Chroniques. Euh, et puis finalement, bah, je vous parlerai de One Piece Z dans la deuxième émission et pas dans celle-ci parce que là, je pense qu'on a déjà bien, bien, bien parlé. Je ne sais pas si les invités veulent encore rajouter quelque chose. Non, pas spécialement. Pascal, peut-être euh, pas hein Oui, bon, c'est la deuxième. Euh, à quand la troisième bah, de... euh, Mais euh, oui, merci. Merci pour tout. Encore une fois, euh, ADN, c'est un projet de euh, longue haleine avec, euh, avec Seb, qu'on a construit euh, avec nos deux entités, euh, avec, euh, avec toutes les équipes. Euh, ce n'est pas que nous. Et heureusement... Euh, parce que sinon, on n'aurait pas pu faire ça avec nos, nos quatre mains. Euh, mais euh, c'est un projet de longue haleine et on veut, on veut que ça soit pérenne et on veut que voilà euh, promouvoir l'animation en tant que telle. Donc, euh, venez sur ADN, venez voir ce qui se passe, faites-nous part de vos idées. Euh, on est preneurs de toute façon et l'éthique de l'animation marchera euh, avec vous euh, pour, pour continuer euh, ce beau projet. Voilà, bah donc euh, effectivement, moi je salue vraiment bien bas euh, toute l'équipe euh, qui travaille euh, quotidiennement sur ADN, puisque comme. Euh, comme Pascal l'a dit, on n'aurait pas pu le faire avec ses deux mains. Euh, mais du coup, euh, effectivement. Euh, <laughs> non, vraiment, donc encore merci à tous. Et puis, vraiment, j'espère que voilà, c'est euh, le début d'une plateforme un peu commune et globale euh, qui correspond euh, à là où on est le, le marché de l'animé en ce moment et qui fédérera au maximum. Euh, et puis, bah merci, merci pour l'invitation. Et puis, euh, bravo à toute l'équipe pour soutenir le manga et l'animation. Et t'en bah, bah, je une deuxième fois. Exactement, ouais. <laughs> avant que tu ne rattrapes Pascal peut-être. <laughs> ah bah, quand vous voulez, ouais, je... Et ben bah, ok, c'est noté, on vous réinvitera <laughs> Bah toi on l'a déjà fait, mais on continuera. Hein, je veux dire, euh, voilà. euh, donc mais je vous remercie à tous, déjà je vous remercie à tous mes chroniqueurs d'être venus aujourd'hui. Voilà, je... ah, on ne t'entend pas là. Bah non, voilà. Merci, <laughs> Mais merci je... à toi. Je remercie oui. le manga Café V2 qui nous, é... qui nous héberge pour la deuxième fois et qui va probablement nous héberger encore quelques paires de fois. C'est vraiment très sympa. N'hésitez pas donc à venir dans ce lieu même quand on n'est pas là. Voilà. Je vous, in... je vous remercie donc de nous avoir écoutés. Je vous invite à écouter les anciens épisodes si ce n'est pas déjà fait. Et même si c'est déjà fait, car le podcast, c'est comme le bon vin. Plus le temps passe, meilleurs ils sont. Voilà, et c'est comme le bon vin, on peut en reprendre. N'hésitez pas à réagir sur Facebook et sur Twitter. On voit qui sont on les ré, amateurs. On peut réagir ah, à non. cette euh, dernière phase, ah, ce veux dire non, non, on peut réagir euh... Maintenant, euh... non, mais moi, je, je note qu'on voit ceux qui consomment de l'alcool <laughs> ou pas, parce qu'on voit ceux qu'on rit à la blague ou pas. <laughs> d'un rire honteux, tu sais, hors micro. Et ça. Je <laughs> le, le micro pour ne pas signaler la population. Voilà. Alors, donc, n'hésitez pas à venir réagir sur Facebook, sur Twitter, euh, dans les commentaires du site. Euh, voilà, vous pouvez aussi nous laisser un. Message sur le téléphone Ou aussi. Vous nous envoyer des bouteilles de vin éventuellement. Oui, vous, pouvez, preneurs, hein, vous sûr, pouvez les laisser euh, en voilà. consigne au Manga Café V2 pour nous. Ouais. C'est bientôt Noël, pensez voilà. à nous. Tout à fait. Pensez euh... à nous. pensez au beau gelé nouveau aussi, c'est -ce la période. Oui. N'hésitez pas à voter sur iTunes, 5 petites étoiles parfait pour nous aider à dominer le monde. Et là, il n'y a pas glou pour faire le rire démoniaque. Qui veut le faire Moi, je pense <laughs> que les invités devraient le faire. Ah oui. euh, Alors, je de désormais le rite. C'est quoi, c'est un rire démoniaque Un rire sardonique un Démonia, euh, vrai, ça. qui fait ce que ah, tu, tu veux. Un, un, un grand, grand méchant, tu vas dominer le monde. Moi, <laughs> 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 ah c'est pas mal ah ah ouais, pas, pas mal. mal. Non, pas je pas m y m y le ah ah je je le laisse Je ah le Ouais, <laughs> merci à nos partenaires Pod Radio, Podcast France, Subalashi, Bad Geek et Animeland.com. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la thématique sur l'impact des nouvelles technologies, euh, des te, des technologies numériques dans le manga et l'animation japonais en France. Merci à tous. Au mois prochain pour une nouvelle édition. En plus de dans 15 jours la thématique. Et d'ici là, lisez plein de mangas. Bye bye. Ciao. Ciao. Bye bye. bye, bye.